Ouais, tu m'entends Ok. Non, écoute, c'est pas mal. Non. Bon, j'ai lancé le stream. Quicon... Can... Quicon machin là. C'est genre noir ou blanc. Tu verras peut -être. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va recevoir Arnaud, qui va nous expliquer c'est quoi la performance SEO, et on va essayer de trouver des, des petits capillaires un peu sympas. Euh, quoi vous racontez d'autre J'ai plein de petites news que je vous ai mises de côté. Euh, bon, je nous va mieux. Le moral aussi. La rotule s'est remise en place hier soir. Et donc du coup, je vais beaucoup mieux. Je me dis que je vais pouvoir recourir comme un cabri dans la forêt. C'est cool. Euh, et, voilà pour, euh, et voilà pour ça. Euh, On va dire bonjour dans le chat. Bonjour Morad. Donc oui, je fais encore des bêtises et avec... qu'il y a trop de boutons sur euh, l'interface, mais je vais y arriver. Euh, bonjour Eddie. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh... Bonjour Arnaud. <laughs> dans le chat de l'autre côté. Allez, je vous fais les petites news. Est-ce que je vous ai repéré dans la semaine? Euh... Alors, demain, c'est le consent mode. Euh, si vous n'êtes pas prêt, il vous reste quelques heures. Je vous ai mis le lien vers, les, vers le, le petit doc de Google euh, qui concerne essentiellement Google Ads. Euh, mais bon, si vous n'êtes pas prêt, là, à mon avis, ça va être un peu short euh, pour euh, vous mettre au pli d'ici... Euh, d'ici une petite douzaine d'heures à peine. Donc, bon courage pour ceux qui doivent être en plein dedans encore à vérifier que tout se passe bien. Euh, des petits outils, je vous ai repéré, Entities Hunter proposé par Inéolab et Dan ben Bernier. Euh, donc, vous lui collez un petit bout de texte et, euh, et il vous sort. Enfin, il vous trouve les entités euh, nommées dedans et il vous prépare le JSON qui va bien pour mettre dans votre web page. Donc, ça peut être plutôt pratique. Il fait les liens avec Wikipédia. Euh, et quand il trouve une correspondance avec Wikipédia, il vous met le lien, euh, le lien de Wikipédia. Donc, plutôt sympa pour les... Je pense surtout sur la TUE quand on parle de choses et d'autres. Ça peut être sympa. Bonjour Phil Bonjour Eddie. Euh, un autre dans le même genre proposé par Inlinks, euh, pareil un, un entity euh, checker. Euh, vous lui mettez un texte, donc en fait je lui ai mis euh, le même petit bout de texte euh, ou la page sur laquelle je l'avais trouvé et pareil il va nous chercher les, euh, les correspondances et il nous met euh, il nous met euh, les non là j'avais mis la page de la Fnac pardon. Donc, il nous trouve bien que euh, Alice au Pays des Merveilles, c'est un film, euh, Lewis Carroll, Tim Burton, euh, voilà, il nous met des choses un peu plus. Euh, un peu plus. Euh, terre à terre, euh, publications, mythes, films, littérature, etc., qui ne sont pas forcément des personnes ou des choses bien définies. Euh, donc, plutôt pas mal aussi, là, pour vraiment avoir, faire un grand tour de ces. Euh, de ces petites entités nommées. Bonjour Cédric euh, Je vous ai trouvé un petit outil. Euh, je n'ai pas noté le nom de la personne qui l'avait mis sur Twitter. Euh, mais qui vous fait une visualisation des regex. Donc si vous avez un, un peu d'allergie aux regex. Comme on est pas mal à en avoir. Euh, là il va vous permettre en fait d'essayer de, de comprendre un petit peu ce que ça donne. Donc j'en ai mis une un peu rigolote, donc Trica, Sandrine,', Dörf, Laura. Euh, et on voit voilà qui ça commence euh, par ce groupe-là, ça se termine et voilà ce qui va aller piocher dans le groupe. Donc c'est plutôt euh, plutôt pas mal en visualisation. Euh, bon, sur la première, elle est plutôt simple, donc forcément on arrive à comprendre ce que ça raconte. La deuxième qui était un peu plus obscure, euh, slash euh, grand S plus arrobase slash grand S plus, euh, ça c'est pour récupérer les mails. Euh, et du coup, voilà, on voit qu'il ne faut pas d'espace avant le arrobase, pas d'espace après le arrobase. Donc on est, euh, ça peut nous permettre de nous aider en tout cas à comprendre un petit peu ces petites bêtes-là. Pour tous les allergiques au regex. Euh, de la lecture, Guillaume Perronnet nous a, pro a proposé euh, de télécharger en PDF le livre Contenu Web Parole d'Experts euh, que j'ai <laughs> en vrai en papier. Euh, donc, surtout, allez-y, c'est euh, plutôt sympa à lire, ça chie très très vite et, euh, et vous allez apprendre plein de choses avec plein de super auteurs et autrices dedans. Encore de la lecture, euh, ils nous en ont proposé un deuxième aussi, euh, sur le link building, la puissance du lien. Euh, pareil avec des super auteurs, Fred, euh, Guillaume, Sylvain, etc. Euh, pareil à télécharger, donc je vous ai mis le lien aussi. Euh, Google. Ça faisait longtemps qu'il ne vous avait pas proposé des nouvelles données structurées. Euh, donc, ça ça fait un moment que c'est en, en prêt, en... enfin dans les cartons. Euh, donc, c'est pour proposer les variantes. Super pratique quand vous avez des boutiques en ligne euh, et un t-shirt bleu, un t-shirt vert, un t-shirt rouge, etc. Là, vous allez pouvoir déclarer vos variantes plutôt que de faire 50 trucs de produits qui ne sont pas réellement des, des produits puisque ce ne sont que des variations d'un autre produit. Donc plutôt sympa aussi euh, à, tester, euh, à tester sur les grosses boutiques. Euh, je pense que je vais tester ça donc pas très très longtemps chez un client, puisque le, le ticket n'est pas encore passé pour les produits, du coup on va le modifier avant qu'ils le mettent en ligne pour avoir les variantes. Euh, un petit bookmarklet proposé par Kevin euh, sur Twitter. Euh, je vous ai mis son petit euh, le tweet qu'il avait mis. Euh, vous pouvez aussi retrouver. Hein, C'est donc Kevin6b. Désolé pour la prononciation. Qui va vous permettre d'afficher les pourcentages et les écarts entre euh, quand vous faites des périodes de comparaison. Euh, sur la Search Console, donc pour passer de 130 à 106, 106 de, pardon, long de sens. pour passer de 106 000 euh, clics à 130 000 clics, il y a donc eu 24 950 clics de plus, soit une augmentation de 23,64%. Voilà, ça vous évitera de faire des calculs ça, dans un tableur Excel. Et comme ça vous irez plus vite. Euh, les events. Le SEO by night c'est fini. Euh, Eddy me dit que le bookmarklet original a été partagé sur le Discord Tricaya. Eh bien, je ne l'ai pas vu. <laughs> Mais je pense qu'il est super pratique. Euh, donc le SEO by night, c'est fini. Vous pouvez toujours euh, vous offrir les replays. Je vous ai mis le lien pour le faire. Et pour revoir euh, toutes les vidéos et tous les conf toutes les conférences que vous n'avez pas pu voir, si vous n'avez pas pu y aller. Donc n'hésitez pas, les tweets qu'on a vu passer, ça avait l'air d'être vachement sympa quand même. Euh, le SMX, c'est dans 15 jours, euh, 10 jours maintenant. Euh, je vous ai mis le lien pour aller retrouver le programme. Il euh, y a beaucoup de conférences un peu sympas. Voilà, je vous ai juste mis en avant les deux, euh, les deux speakers. Donc, euh, allez-y, si vous n'avez pas encore pris votre place. Euh, en avril, nous aurons donc le SEO Campus avec euh, le programme a été mis en ligne et je pense qu'il est presque complet ou complet maintenant. Euh, J'aurai euh, l'honneur et l'honneur de vous faire un, un atelier sur Screaming Frog. Et j'ai contacté Screaming Frog pour vous avoir des goodies. Donc j'attends. Euh, ils ont validé l'idée, donc j'attends de voir ce que je vais recevoir comme petits goodies à vous distribuer si vous répondez bien aux questions pendant l'atelier uniquement. Donc venez nombreux, il y a plein de, plein de trucs sympas aussi. Euh, toujours Annecy Web en juin. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, euh, allez-y. N'hésitez pas. Euh, les conférenciers ont commencé à être, euh, être annoncés, je crois. Euh, je pas trop suivi là, ces deux dernières semaines là-dessus, mais euh, n'hésitez pas. Olivier, ouais, des cuisses de grenouille pour l'apéro, je, 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 on y a pensé. Euh, on y a pensé. Si, au, au pire, j'irai vous acheter des petites cuisses de grenouille avant l'atelier, mais je ne suis pas sûre que tout le monde euh, l'aime. Salut Yeka Et maman euh... On va accueillir Arnaud Mangasariyo. Rien, rien. Je... Il dit oui de la tête. Euh... Et que j'ai pas du tout, il est là. Bonjour Arnaud. Bonjour Sandrine. Comment ça va ça va bien, toi Merci, Merci de m'accueillir euh, sur Trucayen. Mais oui, avec plaisir. Alors, on a un petit peu décalé l'heure parce que euh, tu pas du tout en France. T'es es où, là euh, J'habite à Boston. Bon, et quel temps il fait à Boston <laughs> Il ne fait, fait pas trop mal aujourd'hui. Il doit faire 9-10 degrés. Euh, sec. Ça va. Ouais, comme, euh, comme à Toulouse. Bah, sauf qu'il pleut. Il pleut un petit peu aujourd'hui aussi, mais, mais ça va. L'hiver, la période dure de l'hiver est terminée. Bon, pour euh, avant de faire un peu sérieux, euh, on se fait un petit euh, fast and curious pour que les gens euh, puissent euh, euh, puissent te connaître de façon un peu plus euh, rigolote. Euh, alors, Mac ou PC à la PC. Euh, salut, Guillaume. T's. Alors, France ou USA Ça dépend pour quoi. <laughs> c'est une question difficile. J'ai le droit d'utiliser un joker et dire Canada Plutôt okay. Canada avant d'être aux USA, c'est le, le bon mix pour moi. Et je me rends compte que pas, je me suis loupé dans mes slides. Euh, mais vous ne les voyez pas, c'est pas grave. Euh, alors, KPI, KPI ou KPI KPI. Okay, ça <rire> <rire> ok, je travaille mon anglais quoi. Football ou soccer Football. Marc Zuckerberg. Ah, Zuckerberg ou Elon Musk Tu me donnes le choix entre la peste et le choléra. Là. Euh, écoute, euh... Je que je peux. <laughs> oui, oui, bah écoute, on va dire... Euh... <laughs> Il y a Elon Musk, plus pour la partie euh, technologique, mais euh, j'aime pas le personnage. <laughs> C'est dur euh, ces questions. Bah ouais. <laughs> Zombie ou alien Alien. Mail ou téléphone Téléphone. Pilule bleue ou pilule rouge euh, Bleu. Chocolat ou vanille À chocolat, bien sûr. Un an sans internet ou un an sans dessert euh, Un an sans dessert. Dur de se priver d'internet. Ouais, il y a trop de choses à chercher, à découvrir. Le sucre, ça va, je peux. Je ne suis pas trop. Pas trop accro au sucre. Euh, raclette ou burger? Ah oh, raclette. <laughs> T'as pas idée à quel point ça manque ça ici. Alors je peux en faire, hein, mais c'est juste que le fromage, ça coûte une fortune quoi. Euh, Être invisible ou savoir voler. Euh, savoir voler. Pas en chocolat ou chocolatine. Pas en chocolat. <laughs> bon, on va arrêter là. Ah, ok. Allez. Allez juste un truc pour cette pomme au chocolat, si, histoire d'en de, mettre une couche et d'énerver encore plus de gens qui aiment bien faire cette guerre. Sachez qu'aux États-Unis, ils appellent ça chocolat de croissant. Ouais, voilà. Ouais, ça, non. personne n'est d'accord. Et Alors. ça peut. <laughs> Vous pourrez venir les engueuler. <laughs> c'est ouais. C non, c'est juste parce que je suis à Toulouse et que, accessoirement, je m'en fous et ça me fait rire maintenant. <rire> Moi aussi, je pense. Je crois qu'il y a eu une fois au début que je suis arrivée à Toulouse et j'étais au téléphone avec Taille, que les anciens connaissent. Et je suis arrivée à la boulangerie et donc je dis, je, je lui dis, attends, quitte pas. Et comme j'étais perturbée parce que ce que j'étais en train de, de faire et, et, et de dire et d'essayer de, de faire ma commande, et du coup, pour déjeuner, j'ai commandé un pain au chocolat et une chocolatine. La boulangerie m'a regardée en mode... Ouais, mais c'est la même chose. Ouais, c'est tombé. <laughs> Et j'entends des tailles qui étaient écroulées de rire au téléphone. Genre, mais t'es à côté de tes pompes Oui, comme bam. Donc voilà, donc c'était plutôt, euh, plutôt rigolo. Ouais. Allez, un peu plus sérieusement, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je m'appelle Arnaud, ça fait euh, ça fait quoi, un peu plus de 17 ans maintenant que je suis dans que je baigne dans le, le SEO. Euh, donc J'ai démarré ma carrière à, à Paris. Euh, en gros, j'étudiais, je, je, euh, je faisais mon master à, à l'éthique, qui est une école basée à Port-de-Montreuil. Et euh, en fait, là-bas, tu apprends à faire gestion de projet, tu touches un peu aux différents, aux différents skills, différentes compétences, donc euh, développeur, designer, gestion de projet. Et puis, au, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est bien de pouvoir toucher à tout ça, mais on crée des beaux sites web rapides et tout. Euh, mais si personne ne les trouve, c'est un peu inutile. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de commencer à m'intéresser en, en SEO. Donc, euh, j'ai eu la chance, en fait, euh, de trouver une agence. Alors, à l'époque, l'agence s'appelait Apposition. Je sais qu'elle n'existe plus depuis. Euh, donc, j'ai pu commencer à faire mes, mes premières armes en agence. Et ensuite, j'étais chez Figaro Classify. Donc, j'ai eu deux, euh, deux excellents mentors. Euh, donc, euh, à l'agence, il s'appelait Jérôme... Euh, Spiral et euh, chez Figaro Classifal, il s'appelle euh, toujours Pablo Gagné, euh, qui m'ont vraiment enseigné le, le, les SEO d'une façon qui te. Bah, tu... Vraiment, c'est apprendre à, à bien réfléchir sur comment, comment faire les choses. Et euh, du coup, je ouais, suis allé au Figaro, j'ai préféré l'annonceur. Et en 2010, pour différentes raisons, j'ai décidé de quitter euh, la France pour partir au Canada. J'ai envie de faire un, un petit reset. Euh, et au Canada, bah, j'ai eu l'occasion de continuer à travailler dans le SEO, j'ai fait un peu de PPC. Euh, j'ai eu l'occasion aussi d'être Product Owner pendant quelques mois dans une boîte. Et euh, pour faire court, euh, je travaillais surtout sur l'annonceur. Donc, j'ai eu l'occasion de, de travailler pour magazine en ligne, consommateur business. Et après, surtout, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est de travailler pour des sites e-commerce qui vendent à l'international. Donc ça, j'ai un petit peu plus de 8 ans maintenant d'expérience là-dedans entre euh, Essence et Vistaprint. Et euh, lorsque j'étais à Montréal, j'ai également co-fondé la, co la, la première euh, association francophone SEO basée au Canada qui s'appelle Do You SEO. Elle est un petit peu en pause en ce moment, je le crois. Mais, euh, euh, et ce qui s'est passé, en 2018, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de partir à Boston. En fait, Vistaprint a, a souhaité me recruter et du coup, je suis parti à Boston avec ma femme. Euh, parce qu'en fait elle étudie, elle, elle, elle étudie à Boston elle. donc évidemment faire l'aller-retour à Montréal tu vois chaque semaine c'était pas super pratique pour elle, c'est quand même 6-7 heures elle m'a dit ouais si ton prochain travail tu peux le trouver à Boston ça serait cool et c'est comme ça que j'ai trouvé l'opportunité chez VistaPrint euh, à Boston donc euh, voilà c'est pas mal ça euh, SEO surtout pour e-commerce euh, e à l'international j'ai développé un peu de compétences dans, évidemment tout, tout ce qui est Digital Analytics, ça va avec, hein, tout ce qui est mesure de performance, euh, comment faire ça, et d'ailleurs, on va en parler pas mal aujourd'hui. Et voilà, j'essaie de donner quelque chose d'assez court. <laughs> bon, cool. Euh, on ne va pas refaire la, la conf, euh, enfin, le, le, le live que Laura a fait avec Clément. Mais euh, toi, aujourd'hui, comment tu sens les, les tendances euh, aux États-Unis euh, sur le SEO hein euh, Est-ce que tu sens que l'arrivée de l'IA, ça les chagrine Ou, euh, ou qu'ils prennent ça euh, Pareil, le, euh, la SGE, est-ce qu'ils prennent ça plutôt, euh, plutôt cool euh... euh, Je n'ai pas l'impression que ça, ça les chagrine, je pense. Euh... En tout cas, de ce que je vois, de que je vois autour de moi, c'est le SEO reste vraiment un canal d'acquisition euh, super, euh, super important sur le moyen terme. Donc les entreprises comprennent clairement que euh, c'est quelque chose dans lequel il faut investir. Après euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense que oui, ça s'est popularisé. Mais j'ai pas, pas eu l'impression que ah, ça y est. Euh ça c'est arrivé donc on va couper les postes ici tout ce qui est partie contenu j'ai pas, pas vraiment senti ce, ce genre de choses je pense que les gens regardent ce qui se fait, ce qui se fait euh, et essaient de prendre avantage justement de, euh, de l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui mise à notre disposition quoi. ok ok ça revient um... Alors, si on commençait pour rentrer dans le, dans le vif du sujet sur la SEO, euh, c'est quoi, quoi la performance SEO Comment on pourrait définir, euh, définir la perfection, en fait Parce que je, bon, je pense qu'on est beaucoup... Euh, on, on est beaucoup à avoir connu en fait la perf qui était assez limitée à la position. Euh, puis après, on a quand même beaucoup inclus les clics. Et puis maintenant on va jusqu'aux conversions. Mais est-ce que euh, euh, est -ce... bon là je parle sur une, une progression sur 20 ans? Donc oui, il y a 20 ans, c'était euh, quelle était notre position, et puis petit à petit, on a avancé. Et donc, toi, comment tu définirais la performance SEO euh, bah, Je pense déjà le, 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 définir la performance SEO, ça va, ça va aussi dépendre de comment est-ce que tu définis le SEO en tant que tel. Euh, par exemple, pour moi, le SEO, c'est ce que je veux, c'est améliorer l'expérience utilisateur qui viennent du canal de recherche organique. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire maximiser les clics qualifiés depuis les résultats de recherche naturelle vers mon site. C'est ça. Si on se limite vraiment au SEO, c'est ça. Après, évidemment, ce que tu veux, c'est faire en sorte de pouvoir quand même avoir un, un maximum de, de, de visibilité sur ce qui se passe. Mais euh, vraiment, la partie SEO, je dirais, là où il faut démarrer, c'est la, la partie search. Uh, donc tout ce qui est usage des, des données uh, Search Console, qui ont tendance parfois à être un peu ignorées. Hein. Je, je, je suis arrivé dans des entreprises ici où ils ne les utilisaient même pas. Donc uh, il a fallu tout mettre en place. Uh, et souvent, le, 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 la raison, c'était uh, ah bah, les mots-clés, ils ne sont pas dans Google Analytics, donc on s'en fiche. Ou de toute façon, il y a de l'échantillonnage, etc. Donc tout, tout, tout les, toutes les excuses uh, possibles et imaginables que j'ai pu entendre. Uh, ne m'a pas empêché justement de vraiment sensibiliser les entreprises et de dire non, non, mais c'est ça qui... C'est quand même la meilleure source de données, même s'il y a de l'échantillonnage, faut passer outre ça et prendre toutes ces données et commencer à construire uh, uh, l'analyse intelligente derrière. Quoi. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que tu peux faire pas mal de choses. Et c'est comme, faut... enfin, comme ça que je procéderai en tout cas dès le, dès le départ. Uh, maintenant, pour répondre à ta question de façon plus générale... Qu'est-ce que la perf SEO Il euh, y a une chose que j'aime bien faire euh, lorsque je commence à, à travailler pour un, une nouvelle entreprise ou un nouveau client, c'est. Certes, tu as, 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 as ta façon de mesurer ta performance SEO, donc tu vois, les, les, les clics par requête, le CTR par queries, euh, le trafic brand versus non-brand, enfin tout ça, on va pouvoir en parler. Mais je pense le plus important, si tu veux, euh, on va dire, Maximiser les chances de faire, de déployer ta stratégie SEO, de, de, de faire ton travail, ça va être de déjà bien comprendre les objectifs business. Quels sont les objectifs business qu'il y a dans l'entreprise pour laquelle tu travailles Et la première question que tu vas devoir te poser et répondre à ton, à ton manager ou je sais pas, à un C-level, c'est dans ces objectifs business, je sais que moi, qui suis responsable de la partie SEO, je peux supporter cet objectif-là et cet objectif-là. Donc quand tu arrives à connecter, on va dire... La partie SEO a un objectif business ou deux ou trois. Le but, c'est pas d'en avoir un maximum, mais au moins d'en avoir un ou deux. Là, tu vas pouvoir commencer à construire ta stratégie justement pour ben, comment est-ce qu'on va vouloir mesurer les choses, comment est-ce qu'on va vouloir travailler, et les gens vont tout de suite beaucoup t'écouter. Parce qu'au moins, tu te connectes directement à la réalité business de, de cette façon. Donc, ouais. c'est un peu ma, ma façon de procéder, on va dire, euh, au début. Et juste pour ma, pour ma, ma culture personnelle, c'est qu'est-ce que tu appelles un C-level ah, c'est. Si l'e-level, euh, c'est les bah, CEOs, CMO, euh, ouais, vice-présidents. Tu... Et... Les bien... gens qui sont bien en haut et qui dominent tout et qui, non, voilà. qui veulent vraiment avoir un minimum de, de data à observer et comprendre le maximum de choses à partir d'un. Ouais, c'est pas, pas ton 1 de plus 1. Non. Ok. C'était ouais, pour qu'on parle de, de la même chose. Euh, ouais. Euh, tu parlais de la de la défiance ou de la méfiance par rapport à la Google Search Console. Euh, on a je, je pense à peu près on a eu tous en tout cas les mêmes les mêmes euh, les mêmes appréhensions face à ce <laughs> ça sent la lumière, la lumière qui s'est <laughs> éteinte, éteinte. <laughs> je suis désolé <laughs> Dans une salle très bien là pour le, je suis à l'espace de coworking, la salle est cool, mais je pense si je bouge pas assez la lumière c'est <laughs> C'est hein. ouais. <laughs> les économies d'énergie. Euh... C'est ça. Ouais. Je t'ai vu gigoter parce que je sais je fais une chose au coworking ou dans ce coup tu vois gigoter parce que j'ai plus de lumière. <rire> <rire> euh... Ouais là c'est pas Versailles ici. Voilà c'est pas Même à Boston ils ont c'est pas Versailles ici. Tu vois. Euh... <laughs> Ouais, bon, comment, euh, comment on fait en fait concrètement pour les entreprises qui n'ont pas la Search Console ou qui restent encore très méfiants euh, euh, ou, ou en défiance par rapport à ça, euh, comment on fait, en fait pour les amener, euh, les ramener dans le droit chemin, si tant est qu'ils soient droits bah, Je pense qu'il faut au moins leur expliquer en fait, que la Search Console va te permettre de faire ton travail dans son intégralité, en fait, et que si tu te limites juste à du Google Analytics... Ou équivalent, euh, je vais pas pouvoir vraiment comprendre l'intention de recherche. Je vais pas pouvoir en fait savoir quelles sont les opportunités de croissance ou quels sont les quels sont les points bloquants d'un point de vue trafic organique parce que tout ce que je vais avoir, ça va être des, des sessions, des visites et ça ça va pas m'aider en fait. Donc c'est sûr qu'il y a une partie sensibilisation à faire qui est, qui est très importante. Euh, mais généralement, enfin, pour répondre à ta question en fait. Les entreprises n'avaient pas, soit parce que parce qu'ils n'y avaient pas pensé, soit parce qu'il qu'ils avait pas vraiment la connaissance SEO en interne. Je ne sais pas si c'est vraiment une défiance. C'est plus, il n'y avait pas de personne avant qui s'occupait du SEO ou alors quelqu'un mais qui, qui était plus focalisé sur la partie analytics. Et du coup, ça manquait. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment présenter les avantages à, à utiliser les données de la Search Console. Ça marche. Um... Bon, et si on se définissait quelques petits euh, KPI Jean-François, dans le chat, nous dit euh, « Google représente entre 95 et 98% du trafic organique. C'est un argument solide pour activer la JSC rapidement en général. » Est-ce que vous avez les mêmes pourcentages de trafic aux États-Unis ou euh, est-ce que tu as d'autres moteurs euh, qui, prennent, euh, qui grignotent un peu à la part de marché de Google non, il a eu raison de le rappeler. C'est aussi une raison super évidente. C'est que, voilà, on peut lui donner de la, la, la recherche Google. <laughs> Les Google, ça occupe des grosses parts de marché. Non, non, Google, c'est plus de 90% ici. Et le mythe, comme quoi euh, aux États-Unis, ils utilisent plus de Bing euh, qu'ailleurs, c'est du pipeau. <laughs> Je peux te dire que Bing, ici, quand tu leur parles, bah, ouais, euh, non, Bing, non. Euh, je... Alors, c'est bien parce que euh, Bing Webmaster Tool, les trucs intéressants parfois à faire. C'est bien parce que l'usage de l'intelligence artificielle dans Bing s'est présenté un peu plus pro proprement que dans Google en ce moment. Mais Bing, enfin, euh, dans, les, dans les, les bots pour lesquels je bossais, là, c'était euh, quoi C'est 3 à 4 euh, non, même pas. C'était entre 2 et 3 du trafic euh, organique, quoi. Et en fait, ce que j'ai su, euh, en parlant avec des, des, des collègues, c'est qu'en fait, dans certaines institutions aux États-Unis, notamment les banques, les banques pardon, ils t'imposent d'utiliser un moteur de recherche. Donc, ils n'ont pas le choix d'utiliser Bing, par exemple. C'est les 2% deux... ouais, deux... de trafic, c'est ce qu'on pas le choix, en fait. Bah, je ne sais pas si c'est <laughs> ça, mais les gens utilisent Google. Les gens utilisent Google, les gens utilisent YouTube. Euh... Mais ouais, c'est Google. quoi. Ouais. Donc, on n'y échappe pas. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut se définir comme euh, KPI K, Oui, KPI, ouais, machin, KPI, KPI Tu le dis à la je peux le dire à américain, il n'y a on aucun va faire problème. Comme ça. Euh, comment on peut. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu va définir en fait euh, comme KPI euh, pour un Alors, site e-commerce, par exemple Par exemple euh... Déjà, je pense qu'il faut bien peut-être rappeler un peu comment est-ce qu'on définit un, un KPI. Oui. Moi, je peux donner ma, ma propre définition. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord, mais je pense qu'il y a des choses à noter. C'est quand tu veux définir ton KPI. Euh, déjà, il faut être sûr qu'il soit adapté au canal sur lequel tu vas, tu vas travailler. Donc ici, c'est SEO organic search. Il euh, faut être sûr qu'il soit mesurable, logique. Euh, autre chose qui est peut-être parfois moins évident, il faut être sûr qu'il soit compris par tous les décisionnaires de l'entreprise. Ouais. <laughs> Euh, et pas juste l'équipe SEO ou l'équipe marketing. Euh, il doit avoir un objectif défini. On veut faire ci ou on veut faire ça, on veut atteindre telle chose. Et enfin, la chose la plus importante euh, que je considère si on veut définir un KPI, il faut que toi, en tant qu'expert SEO, tu puisses, en avoir un impact, tu puisses avoir un impact direct dessus en faisant ton travail. C'est-à-dire que si je fais mon travail et que je n'ai pas un impact direct sur le KPI, du coup, ce n'est pas un KPI SEO pour moi. Parce que je ne peux pas l'impacter directement avec mon travail. Je suis, je suis dépendant d'autres choses. C'est pour ça que, par exemple, et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, le revenu SEO, pour moi, c'est n'est pas un KPI. Parce que le revenu SEO, moi, dans mon quotidien, je ne peux pas l'affecter. Ouais. Je, je, je peux pas, en fait, j'ai n'ai pas la main dessus. Tu vois ce que je veux dire n'ai pas la maîtrise de, ce, de, ce, de cette information. Oui, comme le taux de conversion, alors. Oui, exactement. Taux de conversion. Euh... Je n'ai pas la main dessus. Parce que même si tu si tu fais euh, OK, tu arrives à bien répondre à, à l'intention usagée, etc. Mais pour X ou Y raison, une option n'est plus disponible dans le produit, ou ils ont augmenté le prix du produit, ou euh, je sais pas, ils ont fait un nouveau template et machin, mais genre 20 secondes à charger, ben, la conversion va se casser la gueule. Et j'ai pas j'ai pas un impact direct dans mon quotidien en faisant mon travail là-dessus. Évidemment, tu travailles avec les équipes web et, et c'est intéressant de pouvoir switcher avec d'une casquette, on va dire, SEO expert à expert web. Euh, mais c'est vraiment important que ce KPI soit modifiable, impactable par le travail qu'on fait tous les jours, en fait, en tant qu'expert SEO. Alors, est-ce que ça pourrait être des, des, des KPI secondaires Oui, bien sûr, ça peut être des... des... C'est exactement ce que j'allais dire, tu vois, c'est une information à titre informatif, c'est vraiment de la donner à titre informatif, que tu veux, parce que, effectivement, les, les, les c ils veulent, ils, ils, veulent, ils, ils veulent ça, ils veulent savoir c'est quoi les les revenus et euh, si Mais par exemple, euh, tu, vois, tu me demandais un exemple de, 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 de KPI. Plutôt que de dire euh, euh, les clics non brandés, je veux augmenter. Euh, euh, les clics non brandés, c'est mon KPI. Donc, non brandés, c'est les clics qui euh, issus euh, des requêtes qui ne contiennent pas le nom de la marque. Bon. Ça, pour moi, c'est un KPI incomplet. Parce qu'en fait, tu vas juste définir un type de données. Mais ce qui est important de rajouter, c'est est-ce qu'il y a un périmètre derrière ça Comment est-ce que tu veux le limiter Et qu'est-ce que tu cherches à atteindre Donc, Par exemple, plutôt que de dire euh, les clics non brandés, eh ben, ça va être euh, quelque chose, par exemple, euh, augmentation des clics de non brandés de 10% d'une année à l'autre sur les pages produits de telle catégorie de produits. Donc c'est super précis. Oui. Parfois, ça peut être moins précis. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, on sait, l'équipe sait comment elle va devoir travailler. Et au moins, les, les, les visionnaires, enfin les, le N plus 1, N plus 2, N 3, ils savent, en fait, grâce à, à cette précision, comment on se connecte à l'un des objectifs business et qu'est-ce qu'on va faire pour y contribuer. Ça peut être point précis, mais c'est important quand même que ça soit bien cadré, en fait. Ouais. donc du coup, c'est... ouais, OK. Et... Euh... Est-ce que euh, tu as un, 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 euh, à travailler avec les autres équipes Est-ce que eux peuvent influencer finalement sur ta définition euh, de, de, de tu vois par exemple sur telle catégorie de produits euh, Est-ce que finalement c'est eux qui t'amènent la catégorie de produits ou c'est toi qui dis juste euh, bah moi cette catégorie là de, de produits j'ai peu de j'ai peu de clics donc il faut que je la remonte ou est-ce que c'est en lien avec les équipes product, les équipes marketing euh, C'est un mix de deux. Alors je précise évidemment, tout ce que je partage là, c'est vraiment je me base pas mal sur l'expérience que j'ai eue chez VistaPrint euh, et aussi Essence. Euh, mais euh, c'est vraiment un mix de deux en fait, parce que les équipes produits, euh, tu les supportes parce qu'elles ont besoin d'aide parfois voilà, c'est ça qui va bien, c'est ça qui va mal. Mais tu es aussi là pour leur trouver des opportunités de, de croissance. Donc, euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, elles ont une équipe à tel, pro tel problème sur euh, tel produit. Euh, ça va être, par exemple, bah voilà, on a vu que pour ce produit, on a plus de trafic dessus, mais on perd de l'argent. Donc là, ça, c'est euh, quelque chose. Lorsque tu bosses dans les SEO, tu vas être là, OK, bah, je vais regarder de mon côté les données. C'est pour ça que c'est important d'avoir les données de la Search Console et voir si justement on n'est pas en train de louper quelque chose. Et, euh, tu vois, je, je peux te donner un, un, un exemple. Euh, on avait à un moment donné chez chez Visitaprint, euh, bah, ils vendent on va dire une carte de visite, une carte de visite d'un certain type. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon j'ai peur de me faire taper sur les doigts. Et en fait, il se trouvait que malgré le trafic, pas seulement organique, mais aussi des autres canaux qui augmentaient dessus, les revenus baissaient pour ce produit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout le monde faisait du coup, on était un peu en mode brainstorm et, et c'est là bah, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et c'est là que toi, tu investigues un peu, bah, voilà, tu essaies de vraiment analyser derrière toutes les, 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 les requêtes qu'il y a et les comportements utilisateurs, qu'est-ce que les gens cherchent vraiment à, à acheter derrière ça. Et en fait, on s'est aperçu que en fait, les gens, quand ils veulent acheter des cartes de ce type-là, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent en fait, à acheter des cartes de ce type-là transparentes. Et on n'en vend pas. Et ils ont fini par en vendre six mois après, et hop là oui. Mais le revenu a augmenté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai annoncé ça, ils étaient là, bah, on prend pas ça et ce pas pour tout de suite. Je dis OK. Je dis juste qu'il y a cette opportunité. Et là, évidemment, tu, tu discutes avec eux, c'est important d'être transparent. Et donc, ils vont être là. Bah, Qu'est-ce que ça, ça veut dire sur le court terme bah, Ça veut dire sur le court terme que le site va peut-être baisser par requête. Avoir, avoir du site qui baisse, peut-être qu'on va commencer à perdre des positions sur les mots-clés importants. C'est ce qui s'est passé, mais ils le savaient. Tu vois, ils ont été prévenus des risques. Et dès qu'on a commencé à vendre du coup l'option supplémentaire pour ce produit, bah, tout a augmenté. Je vais dire si a augmenté pour les requêtes non brandées spécifiques qui correspondent à cette intention utilisateur, et le revenu a augmenté derrière. Tu oui. ça c'est une façon un peu de, de, de mixer le support et, et essayer de voir qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qu qui se passe au niveau de la recherche, l'intention utilisateur, on va dire. OK, bon là on est sur des, euh, des, des KPI un peu faciles, euh... enfin un peu faciles, pas forcément faciles, mais mon type e-commerce, c'est euh, plutôt, euh, euh, plutôt confort, on va dire, à définir, je trouve. Euh, mais sur la partie informationnelle, ou quand tu es sur un média, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte comme, euh, comme KPI pour... Euh... Parce que finalement, euh, bah, du coup, on ne va pas forcément avoir de revenus à mettre en face. Euh... Et si on est sur un média d'actu, les, euh, les sujets vont changer. Du coup, c'est compliqué de dire euh, OK, il faut que je fasse 10% de plus sur la catégorie euh, élections européennes, par exemple, qui vont arriver. Mais, euh, mais alors que je sais que euh, bah, dans trois mois, c'est fini. Enfin, si, je ne sais, je sais même pas quand est-ce qu'on vote. Euh, mais tu, tu vois comment euh, dans ces cas-là comment on peut on peut définir euh, on peut définir quelque chose comme ça en fait comment du coup on va on va pouvoir euh, dire qu'on est performant euh, euh, et avec des choses un peu plus précises que juste marque et non marque quoi. Hmm. Euh, je peux davantage parler on va dire pour du contenu euh, informationnel euh, si ça peut plus ou moins répondre à ta question. Euh, par exemple, quelque chose qu'on faisait, ça pouvait très bien être pour notamment les magazines consommateurs sur lesquels je travaillais, c'était... À... Comment on appelait ça le... J'ai un blanc, je vais y arriver. <rire> 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 à... le... En gros, c'était analyser l'évolution du volume de mots-clés qui générait au moins un clic. Parce que ça, ça te permet de savoir justement si, lorsque tu commences à bosser sur ta, ta stratégie de contenu pour peut-être supporter une idée, comme tu dis, bah on sait que dans six mois il va se passer tel événement et on a déjà notre page mais il faut qu'on la booste. On va essayer de se construire quelque chose à l'interne, euh, voir qu'est-ce que les gens cherchent autour de ça, faire un, un mariage interne à intelligent. Et euh, la façon dont on peut mesurer ça, c'est justement tout ce contenu-là. Est-ce qu'on on arrive à générer de plus en plus de clics qualifiés d'une on va dire d'une variété de, de mots-clés qui sont du coup bien plus long tail mais qui ont du sens par rapport à ce qu'on veut quoi. Donc ça c'est un peu aussi quelque chose qu'on qu traquait, c'est le, le nombre de clics, enfin le nombre de, de volumes de mots-clés qui génèrent au moins un clic, tu vois. Et ça c'est un bon indicateur parce que du coup tu peux voir si bah, ça monte, ça descend, et qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y, y a un contenu qui a été dégagé, est-ce qu'au contraire il y, a, il, y a, il y a une nouvelle, il y a une tendance qui, qui revient, ou est-ce qu'au contraire on a une page qui commence à performer ah, donc ça, c'est aussi une façon, euh, une façon, de faire. Là, je parle vraiment au niveau Search Console. Hein. Ouais, ouais. ouais, on fera les autres après. <rire> euh, <rire> on va attaquer les autres après. Euh, est-ce que dans tes KPI, dans tes, capi, dans tes cap, tu vas mettre un, un, une, euh, une notion de, de période En fait, est-ce qu'on sur quelle période ça te semble raisonnable de comparer une semaine, deux semaines, un mois, on sait que le SO c'est long. Euh, et mm -hmm. Comment on justifie ça effectivement auprès des directions quoi. Euh, Je pense que ça va dépendre de différentes choses. Déjà, ça va dépendre s'il y a de la saisonnalité ou pas sur, euh, sur ton site web. Donc par exemple, travailler pour un site web comme Vistaprint, il y a beaucoup de saisonnalité. La saisonnalité est très importante parce que les entreprises euh, ou les... les les, euh, les propriétaires de, de, de compagnies, de petites ou moyennes, eh ils vont faire leurs commandes à telle période de l'année, ou alors par exemple il y a le retour à la rentrée, euh, ou en mars, on sait très bien qu'aux États-Unis, à partir de mars-avril, c'est tout ce qui est euh, graduation, donc les, les, les élèves qui finissent leur année. Donc là, ils vont commencer à acheter des, des banderoles à afficher à l'extérieur, euh, mmh. partout dans les jardins, machin et tout. Donc là, ça augmente en flèche. Euh, donc oui, il y a une saisonnalité. C'est pour ça qu'en fait... Selon la catégorie de produits, euh, bien souvent, on faisait d'une du, année à l'autre. Alors cette, c'est un, euh, un peu risqué parce que d'une année à l'autre, il se passe pas mal de choses au niveau du search, mais d'un point de vue saisonnalité, ça a du sens. Évidemment, quand on fait ça, il faut qu'on arrive à se limiter, qu'on fasse ce ménage un peu dans les requêtes, en fait. Sinon, ça peut être un peu le, le bazar. Après, si c'est pour un site où il y a peu de saisonnalité, donc euh, par exemple, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur euh, Amazon Web Services Documentation, donc là, voilà, c'est la documentation AWS. Ouais, bon bah ben là, les changements que je faisais, on pouvait faire du pré-poste. C'était pas. Mais évidemment, c'est toujours quelque chose à valider avec le, avec le client, ou en tout cas avec l'équipe produit ou la personne qui connaît bien comment ça marche. Donc quand la personne me dit ben bah, non, les gens chargent de la même façon la documentation euh, toute l'année, excepté euh, entre le 20 et le 30 décembre. OK, on va faire du, du pré-poste et puis on va voir si on a, on a eu un gain ou pas. quoi ça marche ouais donc en fait le, le ta, la comparaison euh, la comparaison elle va se faire en fonction euh, en fonction de tes produits euh, des produits ou des services proposés quoi exactement est ce que tu as des idées où euh, on pourrait euh, être sur des périodes beaucoup plus courtes genre à l'heure ou ou à peine à la journée, quoi euh... À la journée, à l'heure... Euh... Pas au niveau de la search enfin, console, mais plus au niveau de Google Analytics, quand il y avait eu des, des soucis de migration. <laughs> C'est là où... Les décisionnaires regardaient bien Google Analytics à l'heure pour voir si. Ok, c'est vraiment réparé. Ok, je vais aller voir dedans à l'heure. Puis là, tu vois que c'est bon, le trafic commence à revenir à la normale. Euh, après, quand c'est à l'heure, il y a eu des soucis. Si il y a eu des soucis où, en fait, euh... pour des raisons que je n'expliquerai jamais, il y avait Merci. des équipes produits qui avaient bien faire les mises en prod le vendredi. C'est comme, comme un valet de l'eau de Javel pour moi. C'est un truc que je ne comprendrai jamais. Tu <laughs> veux te faire du mal. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, ils ont, un jour, il y, a eu, il y a eu ça, et puis bah, toute une catégorie de produits était passée non-index. Voilà. Et puis c'était vendredi 15h. Moi, j'ai vu ça à 15h30. Je dis hey, ah oui, mais on va régler ça la semaine prochaine. Je dis Non, je ne crois pas. Non, non. <laughs> Ou alors, tu. Ouais. Ou alors. Du coup, ils sont là, bah, on n'a pas le temps. Je dis, OK, pas de problème, je vais en parler à l'équipe produit. Et au ouais, plus 1, voilà ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures si... si on résout pas le souci. Et en fait, c'est des choses parfois qui sont, qui sont faites trop rapidement parce qu'il euh, y a une nouvelle option, parce qu'il y, y a une mise à jour des prix. Et... Bien sûr, il y, y a toujours euh, euh, des vérifications à faire, mais ça n'est arrivé qu'une fois en cinq ans. Mais euh, c'est vraiment le genre de choses où, à ce moment-là, tu vas essayer de t'assurer que... Tu vas faire de l'analyse de performance justement dans, dans, dans l'heure ou où... à la journée, comme tu dis, quoi, parce que ça, ça peut te coûter trop cher si une page n'est pas indexée pendant un jour, ça peut vraiment te coûter cher. Même si ça va revenir à l'état où c'était, ce qui était le cas, ouais. ça, ça peut te coûter très cher. Quoi. Ouais, sur les gros sites, tu reviens vite. Sur un petit site, tu peux. La bêtise peut te coûter cher, quand même. Ouais, ouais bien sûr. Non, non, sur un gros site, ça peut, ça peut te coûter cher en termes de. C'est des milliers et des milliers de visites, hein. enfin, de clics plutôt. Euh, tiens, dans le chat, salut salut Raphaël, voix wow. <laughs> off. Euh, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de clics. Donc toi, dans la Search Console, tu... Parce qu'on a euh, les clics, euh, impression de clics, CTR et euh, position moyenne. Lequel tu préfères Est-ce que tu as un ordre Est-ce qu'il y en a que tu t'ignores euh, euh, Ou presque ou, euh... Ou est-ce que tu mets les quatre? Ce sont euh, quatre indicateurs différents ou euh... alors est-ce que j'en ignore un? Non. Euh, après, c'est plus dans l'usage, tu vois. Donc tout ce qui est clic, c'est clairement la donnée de base, tu la veux, tu veux qu'elle soit juste. Donc euh, clic, non, brandé, day. Euh, le CTR, je l'analyse uniquement par requête. Par exemple, un truc que j'ignore, c'est le CTR par URL. Pour Moi, c'est totalement bidon parce que le problème, c'est quand tu fais un taux de clic par page, bah, ouais, super, il a augmenté de 10% ou il a bossé de 5% d'une année à l'autre, mais ça m'en dit, ça me dit pas plus quoi. Moi, je voudrais savoir derrière qu'est-ce qui a causé ça. Donc, je vais quand même faire c'est là où je préfère avoir analysé le site hier par euh, par requête. surtout que en plus de ça, euh, impression évidemment, c'est très important, c'est ce qui va te donner des, des opportunités, Qu'est-ce qui va te permettre de voir s'il y a des opportunités ou comment évolue le. Euh, le marché aussi, si, si justement tu, tu rentres tu très bien pour des termes très compétitifs et que d'une année à l'autre, eh ben, les impressions baissent, là, ben, ouais, est... on est déjà en premier, là. ça n'a pas changé, Mais je ne peux je pas inventer une autre pas... position. <laughs> euh, par contre, impression, le truc qui est important à... Alors ça, ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on qu communique aux autres équipes, c'est plus en interne, c'est sûr, tout le monde le sait. C'est euh, impression par requête, c'est c'est bien, mais le problème c'est que quand tu commences à faire les impressions au niveau des, des pages euh, tu sais parfois tu as des impressions qui sont comptées en double selon comment tu analyses tes, tes impressions donc ça c'est toujours quelque chose à, à tenir en compte euh, un truc que, que, que j'aime beaucoup faire euh, c'est une autre raison pour laquelle d'ailleurs les données search console sont vraiment essentielles, c'est commencer à construire un peu tes tendances internes d'un point de vue CTR avec tes propres données parce que tu as toujours le site IR par position euh, moyenne qui est communiqué à l'extérieur sur les sites de genre Cistrix ou je ne sais pas trop quoi. Bon, bah, c'est bien à titre informatif. Mais quand tu peux faire ça avec tes propres données, c'est encore mieux parce que du coup, tu peux à partir de là commencer à faire des, des prédictions. Ben bah, voilà, pour cette requête-là, on est en telle position. On sait en se basant sur les autres requêtes du même type pour ce genre de produit, lorsqu'on est en position, je sais pas moi, 2 ou 1, bah, le taux de clic moyen, c'est ça. Donc on a un potentiel de gagner de clic si on arrive à améliorer la position c'est très directif mais c'est le genre de choses que les équipes produits marketing et au dessus adorent parce qu'au moins ça leur donne une idée de qu'est ce qu'ils peuvent gagner donc euh, ça c'est quelque chose que, que j'aime bien faire et euh, on parle pas mal de, de, de non brand mais je pense que pour la, la partie brand c'est pas euh, marque <laughs> excusez-moi c'est l'habitude de parler les euh, termes non, américains il ouais, 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 pas ouais, trop voilà. Euh, souvent, euh, d'ailleurs, c'est vraiment le cas pour, euh, en général, le, clic, le volume de clics sur le, la partie marque ou le nombre d'impressions sur la partie marque, ce n'est pas quelque chose que le SEO va, va pouvoir impacter tant que ça, parce que c'est la marque. À quel point est-ce que les gens veulent chercher la marque Ça va dépendre pas mal des autres campagnes. Exception. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est le nom de marque exact. Et ça, peu importe le type d'entreprise, que ce soit e-commerce, e-commerce local, e-commerce international ou publisher. Pourquoi Parce qu'en fait, quand les gens cherchent vraiment une marque exacte dans prints, et puis tu choisis vraiment juste un type d'occurrence parce que les gens font des fautes d'orthographe partout. Oui, donc... j'ai fait ah. ça la dernière fois, j'ai monté une regex de la mort <laughs> pour voilà. choper donc... aux... <laughs> toutes, les... Toutes, les... toutes les erreurs. <laughs> bah, c'est ça, en fait. Donc, tu peux faire ça, ce qui est bien, mais malgré tout... D'une année à l'autre, les gens font soit plus d'erreurs, soit moins d'erreurs. Donc, ce que <laughs> j'aime bien faire, c'est vraiment prendre le nom exact de la marque, Donc, par exemple, Vistaprint, écrit en minuscule, c'est tout, je, peux, je traque juste ça, ou Essence, ou L Canada, par exemple, et voir comment le CTR évolue. Et si le CTR commence à se casser la gueule, c'est très important d'analyser ce qui se passe, parce qu'en fait, quand, surtout pour un site e commerce, quand tu sais que euh, les recherches de marques génèrent beaucoup de revenus, beaucoup oui. de trafic, bah, quand tu commences à perdre pas 1%, pas 2%, mais genre 0.3%, 0.4%, et tu te dis ça va impacter le revenu, tu veux savoir ce qui se passe. Et euh, quand c'est pas. Alors, ce n'est généralement pas la partie euh, ads qui pose problème. C'est plus les affiliés. <laughs> les affiliés euh, qui sont là parce que parfois, ils se positionnent aussi ou euh, ils communiquent un, un message euh, que tu ne retrouves pas sur ta, sur ta marque. Donc, ça, c'est vraiment un problème que j'essaie de. Euh, on va dire, de, de prendre à bras de corps le, le plus vite possible, euh, parce que ça peut avoir un impact. Donc, par exemple, c'est euh, quelque chose qui se passe parfois, qui ne devrait pas se passer, je pense. Mettons que sur ton site e-commerce, tu as des coupons. Ouais. Okay. D'accord. Ces coupons, ils existent, sauf que sur le site, lorsque tu vas sur la page coupon, tu les vois pas, parce qu'ils sont soi-disant intégrés au niveau du, du panier, ou alors... Euh, il faut être un nouveau client pour les utiliser, mais tu les vois pas. Quand tu vas chez l'affilié, tu tapes pour dire, je ne sais pas moi, le nom de ta marque, coupon. Oui. Ah, il bah y a l'affilié qui, qui rentre parfois juste avant ton propre site ou juste après, sauf que c'est la, la façon dont ils font les titres, les titles et les métadonnées chez les affiliés, c'est assez agressif. Donc tu vas voir le coupon, machin et tout. Donc les gens cliquent là-dessus, tu payes, tu payes l'affilié, oui. ils vont prendre le coupon, ils vont se barrer, ils vont retourner sur le site, alors, je sais pas, en accès direct, ils vont foutre le coupon. Et ça, le problème, c'est un coup et du coup, ça affecte aussi le, le, le taux de clic. Donc, on a eu ce genre, j'ai déjà vu ce genre de, de, de problème sur euh, sur les sites e-commerce pour lesquels je travaillais. Et du coup, j'avais réussi à convaincre les, les, les équipes euh, marketing. Donc, c'était vraiment au niveau. Je dis rien. Voilà, c'est ça qu'on perd. Là. Et puis les, les gens qui cherchent le nom de la marque avec coupon ou rabais, ah, ben, des gros volumes de recherche. Hein. Surtout aux US, ils, ils raffolent de ça. Euh, ça se compte vraiment en centaines de milliers, dépendant ton ton, ton site par, par mois. Donc quand euh, tu as le CTR qui commence à se casser un peu la gueule, c'est là que tu dis, bah, voilà ce qu'on perd. Quoi. Donc, euh, et en plus, on paye pour que les gens aillent chercher l'info ailleurs et reviennent. Donc là, tu vas commencer à essayer de mettre des tests en place. Tu dis, bah, on a une page coupon. Les gens, quand ils tapent le nom de la marque pour le coupon, mon hypothèse, c'est qu'ils s'attendent à arriver sur la page, à trouver un coupon, à faire CTRL-C et le coller où ils veulent. Ah oui, mais il ne faut pas faire ça parce que là, je dis, OK, bah, on, perd, on, perd des, on perd des gens et vous payez plus d'affiliation. Est-ce qu'on peut faire un test Et du coup, on fait un test et après, bah, tu peux voir... Tu peux voir si le test a été un succès ou pas, sachant qu'en plus, c'est le genre de test qui ne va pas juste impacter l'USIO, ça peut impacter aussi les autres, les autres canaux. Quoi. Donc euh, La partie marque, c'est un peu comme ça tu sais, que j'aime bien analyser C'est vraiment, comme tu dis, soit tu fais une, une, une regex, tu prends un peu toutes les, toutes les prononciations différentes et tu regardes comment ça évolue au niveau du CTR, CTA, ou alors tu prends juste le, le mot clé principal qui génère le plus de clics et tu vois comment le CTR augmente et s'il y a une variation étrange, c'est là où tu as envie de jeter un coup d'œil, quoi. Après, sur le nombre d'impressions, ça ne va pas dépendre de toi. Hein. S'il y a un spot télé, un spot radio, euh... ou alors que quelqu'un sur TikTok euh, a ouais, décidé de, de faire la pub d'un produit en positif ou en négatif, c'est là où tu vas pouvoir. Il va y avoir des variations. quoi. Ok. Euh... Donc, du coup, depuis la Search Console, ça t'en fait. Euh... Tu peux en avoir très vite beaucoup sur des gros sites quand même. Parce qu'on parlait de euh, clics par euh, catégorie de produits. Euh, euh, si tu as un site avec 20 ou 30 catégories de produits, euh, ça commence à te faire un paquet d'indicateurs. Mmh. <laughs> oui. Bah, ça, un paquet d'indicateurs. Non, non, mais t en, t en, on n'analyse pas tant d'indicateurs que ça. Il y a beaucoup de produits, c'est vrai. Après, ça va ça à toi de classer ces produits avec les données Search Console. Tu vas, tu vas classer les URL, tu vas faire des catégories pour pouvoir faire des filtres et tout. Euh, par pays aussi, hein. on fait ça. Bien sûr. Mais oui, ça fait, ça fait pas mal à regarder. C'est pour ça que généralement, je suis pas tout seul à faire ça. Et derrière, euh, justement, on parlait là pour, pour le, la direction. Eux, tu leur fais quoi Une agrégation de ces trucs-là ou tu leur envoies euh, ton paquet de, de, de centaines de chiffres euh... Non, généralement, il n'y a pas une centaine de chiffres. Euh, généralement, il y a genre 4-5 euh, données et qui sont représentés d'une certaine, certaine façon, c'est là où on va essayer d'utiliser la, la database de façon intelligente. Parce que, la, en fait, as la direction qui veut voir les informations d'une certaine façon, et tu as aussi les gestionnaires de produits qui veulent voir des informations un peu plus détaillées. La direction, elle, savoir euh, le détail par produit, ils s'en fiche. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment plus, encore une fois, je me base sur, sur ma propre expérience, ça, ça peut dépendre d'une boîte à l'autre, mais... Ils veulent plus savoir des tendances euh, par catégorie de produits, par pays, brand versus non-brand. Euh, où est-ce qu'on évolue, où est-ce qu'on n'évolue pas Est-ce que par exemple, euh, l'évolution du revenu SEO versus évolution euh, du nombre de clics non-brand Ah, évidemment, c'est pas forcément proportionnel, hein, ça ils le savent. Mais si, euh, si les, les volumes augmentent et les les volumes de clics augmentent, les revenus se cassent la gueule, ou inversement, bah c'est là où tu, vas, tu peux commencer à, à regarder. Et euh, souvent, eux, là-haut, ils ont dans leur tête, parce que tu ne le sais pas jusqu'à ce que tu grades vraiment, ah bah nous, on a un top 6 des produits qu'on veut absolument pousser pour cette année. Donc, ça, évidemment, il faut aller chercher cette information, parce que quand tu l'as, ça va tout de suite t'aider à prioriser davantage ce que tu veux faire. Euh, et du coup, bah, dès, dès qu'ils savent qu'ils ont un ensemble de produits, ou peut-être deux catégories de produits, bah, tu vas mettre un peu plus de temps là-dessus et tu vas faire ton travail un peu plus en détail euh, et fournir plus de détails avec les, les gestionnaires de produits, les équipes de produits euh, qui gèrent ça pour voir. Bah, voilà, euh, je sais pas moi, ce produit, ce d'un produit, euh, point de vue euh, organic search, euh, c'est beaucoup moins recherché qu'avant. Où là, par exemple, on s'est fait, euh, fait défoncer par le compétiteur numéro 2 et 3, et il nous a bouffé pour X ou Y raisons ou euh, « celui-là, euh, il celui y a un problème parce que les données structurées, elles affichent juste le prix max, voilà, et le produit à 1000 dollars, ça ne passe pas, et je me retrouve encore dans le noir. <laughs> ah, <pff. rire> ah, oui, » C'est bien de m'avoir comme invité. Les, les, les journées pas passent vite à Boston. Hein. Ouais, Moi, j'habite dans le futur, ici, les <laughs> journées ne durent pas 24 heures, elles durent 30 minutes. <laughs> Il euh, y a Durf dans. Alors Durf, je ne sais pas si c'est Dorf ou si c'est Laura dans le chat qui parle de données macro pour les directions. Voilà. Et Raphaël qui nous a dit, je suis en cours de refonte de l'un de mes sites vitrines pour faire un x2. Euh, c'est Durf dans le. C'est dans le chat qui s'appelle Dorf. Jusque-là, on est bon. <laughs> c'est la matrice ici. C'est Inception. C'est l'Inception du chat euh, Twitch. Euh, du coup, on a commencé à évoquer un peu euh, deux trucs. Euh, bon là, pour l'instant, on a fait beaucoup de search console. Dans la search console, tu regardes d'autres choses ou tu t'arrêtes finalement euh, pour faire du euh, pour la perf à, euh, à clic, euh, clic impression, euh, CTR en fonction euh, en fonction des catégories, des produits, des pages, des typologies de sites. Euh. Euh... Non, c'est pas mal ça. Après, ça va surtout, ça va surtout être joué avec ces données et peut-être afficher, on va dire, des, des bouts de rapports qui vont présenter des informations différemment. Donc, j'ai toujours la, En fait, je sépare vraiment l'analyse par requête versus l'analyse par landing page. Euh, comme tu l'as dit, tu vois, un site qui a beaucoup de catégories de produits et qui existe dans 15, 16, 17 pays différents, ça va faire beaucoup. Donc, il faut avoir ces deux Donc, oui, ma... tu as toutes ces données à importer de, de la Search Console. Les mettre dans les bases de données, après les ressortir. On, euh, on utilisait Looker, par exemple, quand j'étais chez VistaPrint. Pas Looker Studio, l'autre Looker, euh, Looker, ouais. Looker. Ouais, Looker, Looker. Looker, euh, Looker. Voilà. <laughs> Et du coup, bah, c'est là, toi, tu veux juste avoir plusieurs vues pour pouvoir accéder à l'information plus facilement. en fait Donc, tu as tes vues par euh, requête, mais tu as des vues aussi par landing page. Donc, j'ai envie, envie de savoir, par exemple, quels sont. Euh, d'un point de vue non brand euh, les, les pages euh, qui ont fait plus de clics euh, d'une année à l'autre sur les deux dernières semaines et les pages qui au contraire ont perdu de, des clics d'une année à l'autre sur ces dernières deux dernières semaines pareil pour les requêtes et puis après évidemment quand tu vois qu'il y a des tendances des choses bizarres ah cette page ça va pas hop tu vas commencer à cliquer dessus et c'est de faire un truc un peu interactif et là tu vas pouvoir voir peut-être les, les requêtes qu'est-ce qui s'est passé etc euh... Et commencer à investiguer, quoi. Mais euh, c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment ça. Le, le côté euh, mobile, desktop, je dois t'avouer, j'y passe pas autant de temps qu'on qu pourrait le penser pour un site e-commerce. En fait, quand tu sais que c'est bien réparti entre les deux, et ça l'était souvent euh, dans mes précédentes expériences, tu peux, mais euh, j'ai pas, pas eu vraiment beaucoup de situations où ça m'a apporté quelque chose de le faire. Là où c'est très important, c'est d'être sûr de, de bien avoir un DOM de toutes les données, de bien faire tes filtres au niveau euh, des catégories de produits, des produits, des pays, et à la limite, après, si tu veux tenter des trucs un peu plus fun, de commencer à essayer de catégoriser un peu les, les requêtes. Quoi. Donc, par exemple, on parlait de brand, euh, de marque. Bon, bah, ça, pour la marque, la partie marque, c'est relativement facile, mais j'aime bien avoir un truc du genre marque exacte, où là, tu prends juste un mot-clé, par exemple Vistaprint ou mmh. Essence. Puis après, tu as marque, avec tout le bordel mal écrit, <laughs> toutes les, les variations où les oui. gens ne savent pas taper correctement sur le clavier. Et puis après, tu as aussi les requêtes un peu plus directionnelles. Par exemple, euh, navigationnel Les gens veulent aller à un endroit sur le site. Donc, je ne sais pas, moi, euh, euh, le nom de ton site, le nom de ta marque, login. Tu vois, ou se connecter. Ouais. Donc ça, c'est toujours bien de, de voir ça. Euh, ou les gens veulent aller sur euh, euh, le support. Donc là, tu peux aussi, euh, tu peux aussi euh, catégoriser ça, ça séparément. séparément si tu vois des tendances. Et ça peut être intéressant de faire ça. Ouais, tu peux te faire un tableau de bord que sur la marque presque. Ouais, ouais, tu peux. Après, ça a moins d'impact pour nous d'un point de vue SEO, mais tu peux tout à fait faire oui. ça. Et, euh, et c'est intéressant, en fait. Les, 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 les décisionnaires aiment bien avoir ce genre de données parce qu'ils sont curieux de voir. Bon, il y a vraiment tant de gens tu sais, qui tapent le nom de notre marque avec login. Je dis, bah ouais. Mais après, c'est une habitude aussi. Hein, je veux dire. Oui. Il y a des gens ils tapent euh, Gmail dans Google pour aller sur Gmail, tu sais. Donc, bon. Google, dans Google. <laughs> Donc, voilà, ouais, ça je sais pas encore, j'ai pas vu. Mais non, ça, je, je sais pas, j'ai pas accès à leur, Google, à leur Search Console. Je sais je, pas ça encore. J'y travaille. <laughs> ça. Après, pour la partie non-brand, c'est plus compliqué. Parce que. Euh... Certes, tu peux toujours faire des choses et on s'amuse à faire ça. C'est bon, bah, tout ce qui commence par tel mot-clé, je pars du principe que c'est une question, donc c'est informationnel. Mais quand on va dire que la personne tape juste le nom d'un produit, par exemple, je veux dire euh, euh, poster personnalisé, c'est quoi l'intention derrière Est-ce qu'il veut acheter un poster Ou est-ce qu'il veut lire un article sur un poster Ou est-ce qu'il veut, je ne sais pas moi, savoir c'est quoi la taille d'un poster Ça, parfois, c'est un peu plus délicat. Donc c'est là où... Est-ce que tu choisis de catégoriser arbitrairement ou est-ce que tu limites Donc ça, c'est des décisions à faire en interne, évidemment. Il n'y pas... a pas de solution magique. Quoi. Il y a Durf qui nous dit, c'est très intéressant aussi de voir que la marque est réputée pour un type de produit, canapé IKEA, par exemple. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Merci de me, de me rappeler à l'ordre. <laughs> Il y a aussi cette catégorisation que j'appelle product branded, donc tout ce qui est marque plus produit. Ça, c'est très, très important. Euh, parce qu'effectivement, tu peux tout de suite voir si ta marque. Est-ce que les gens commencent à associer ta marque à un certain type de produit Alors, pour VistaPrint, c'est la surprise pour personne sur cette terre que les gens connaissent les cartes de visite. Ouais. Donc, c'est associé. Mais tu peux voir aussi quels autres produits ou que ça commence à ça émerger. Et, là, et ça, c'est super parce que c'est vraiment un, un indicateur qualitatif, en fait. Pas juste pour le trafic, mais pour le fait que hey, le boulot que vous faites, là, ça a l'air d'être pas mal parce que les gens commencent vraiment à associer VistaPrint avec tel concept ou Essence avec tel type de marque qu'on vend. Donc ça, ça me permet vraiment de ouais, d'avoir quelque chose un euh... peu plus. Euh... Et puis, ouais, comment finalement ta comment ta popularité, elle se elle se dessine en fait. Bien sûr, ouais, on se met plus du SEO à ce niveau-là. Cette oui. image de marque et, et c'est quelque chose que effectivement les, les décisionnaires aiment voir. Donc ça, oui, c'est le genre de choses sur lequel je, je communique, je communique aussi dessus. Désolé, c'est dur de tout couvrir parfois, donc j'oublie. Au ouais, <laughs> moins, mais... Les gens du chat me le rappellent alors, donc au moins comme ça je peux dire non, oui, je le faisais ou non, je le faisais pas. Fred, Fred est là. <laughs> ouais, merci Fred, c'est bien pour le rappel. Merci. Euh... Et donc dans la Search Console, est-ce que tu vas chercher d'autres indicateurs de type la perf, euh, le nombre de pages rapides, pages pas rapides, euh, su... le nombre de ton temps moyen serveur des choses en le nombre de pages indexées est-ce que tout ça aussi ça va ça peut devenir des KPI ou pas, euh, ou, ou pas ou pas ou c'est pas intéressant ou ça c'est plus un check à faire euh, au quotidien que de le remonter en indicateur de perf en fait alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement <laughs> <laughs> oui, non, non mais c'est une excellente question parce que c'est le genre de sujet qui est longtemps discuté en interne. Parce que, surtout moi qui aime bien la partie technique, j'aime bien pratiquer un milliard de choses. Mais c'est surtout comment est-ce que tu vas pouvoir rendre des données techniques importantes aux yeux des autres équipes. Euh, donc, évidemment, euh, lorsqu'on fait de la partie technique, on pourra y venir peut-être plus tard, il y a tout ce qui analyse de log et tout. Euh, j'ai frisé là ou c'est bon Non, non c'est bon. là, tu bouges pas. Okay. Tu as la lumière et tout, tout est, tout est OK. OK, c'est bon. <laughs> euh... Bon, évidemment, tout ce qui est analyse de log, tout ça, c'est pour toi en interne, mais tout ce qui est indexation, en fait, oui, euh, c'est important. Et oui, c'est le genre de choses qui peut intéresser, enfin, qui intéresse d'ailleurs les... les équipes produits, parce qu'en fait, aussi basique que cela soit-il, c'est la base de la technique. C'est-à-dire que si tes pages ne sont pas indexées, déjà, ça va être compliqué. <laughs> ça va être très compliqué. Ouais, ce que, et c'est ne peux pas expliquer... Mais c'est le... Enfin, câble, oui, effectivement, oui, si. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit tout indexée. Enfin, tu ne peux pas avoir tout indexé, même des choses indexables qui ne sont pas indexées, ce n'est pas la fin du monde. Mais en fait, ce qui est bien, c'est euh, ce que... Généralement, en tout cas, c'est comme ça que je, je procède. Ce qui doit être indexé et qui est important pour la business, c'est dans le sitemap. Dans le sitemap XML. Donc ce que j'aime bien faire, généralement, c'est analyser le taux d'indexation des pages qui sont soumises dans le sitemap. Parce que ça, c'est un excellent indicateur. Parce que tu n'as pas forcément tout là-dedans, et ce n'est pas, pas grave. tu as au moins tes pages produits, tes pages catégories, tes pages éditaux, ah, je sais pas moi, des pages d'emplates, ce genre de choses. S'il y a une page du support machin qui n'est pas indexée, bon, je pense pas la fin du monde. Mais quand tu commences à avoir des pages qui sont vraiment impactantes, et toi, tu es là pour une catégorie de produits, bah ouais, bah en fait, euh, ton indexation pour ta catégorie de produits, c'est 80%. Il y a un problème. Un problème. Euh, donc euh, c'est le genre de choses qu'on aime bien. Euh... Ça, c'est clairement le genre de choses qu'on traque euh, à, à l'interne. Euh, en plus, maintenant, avec le. Enfin, de toute façon, l'API Google, tu peux tu peux aller récupérer tout ça. Euh, mais ils avaient fait aussi, j'avais oublié le nom de leur, euh, leur API là. Euh, comment elle s'appelait pour aller récupérer plus de choses techniques où tu pouvais récupérer les informations euh, sur la canonique, s'il y avait un canonical mismatch, euh, est-ce que c'était mobile friendly ou pas Il avait sorti ça par... il y a. Dans la partie euh, inspection Ah, URL inspection tool, je crois que ça s'appelait. URL inspection API, c'est ça Je crois que c'était ça. Oui, ça doit être par là, oui. Bah, c'est ça. ça. Ça, ça avait été, je crois. Dé, euh, débloqué, euh, mis à disposition du public il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, 3 ans. Oui, c'est le truc où on est limité à je ne sais plus combien par jour. C'est ça, tu es voilà. limité à un certain nombre par jour, mais ça suffit, parce que ça te donne déjà un très bon échantillon. Donc tu, tu vas prioriser les choses qui sont vraiment fondamentales. Et tu peux déjà, à partir de ça, commencer à te faire un petit dashboard un peu plus technique euh, sur lequel, justement, tu vas vouloir regarder bah, le taux d'indexation des pages, euh, euh, le taux de pages qui, je ne sais pas moi... Euh, ont euh, une canonique qui n'est pas respectée par Google, par exemple. <laughs> c'est le genre de choses très, très intéressantes à voir. Ouais, ça peut être un joyeux bordel, ça d'ailleurs. Voilà, ou les pages, soit bah, ces pages-là qui sont soumises et qui sont censées être indexables, quelles sont celles qui renvoient, je sais pas, moi, un code différent d'une 200, quoi. Un 200 tu vois, 300, 400. Et ça, déjà, c'est bien. Donc, pas forcément pour euh, ceux qui sont tout en haut, mais au moins pour toi, c'est bien. Et le taux d'indexation. Et le taux de canonical, alors moi j'appelle ça canonical mismatch, mais on va dire c'est le, le, le taux de pages qui ont vraiment une canonique qui ne qui correspond pas à ce que tu cibles, ça c'est de l'information utile pour les équipes produits. Parce que dans certains cas, certes, c'est Google qui pète un câble. Bon, ok, là tu essaies de resoumettre pour voir quest ce qui se passe, mais dans certains cas, ça t'offre des armes pour lui dire Eh, hey, tu sais quoi, ta page produit que tu as voulu dupliquer parce que tu pensais qu'il y avait une intention utilisateur différente pour business versus consommateur bah, ça a foutu le bordel. <laughs> ça a foutu le bordel. Parce que l'ancienne page qui est qui bien, bah, elle ne rentre plus très bien. Et là, Google, il ne sait plus trop, c'est euh, plus trop en venir. Donc ça, c'est juste un exemple. Parfois, c'est juste que euh, bah, Google, il n'aime pas la page. Je ne sais pas, il préfère, euh, il préfère avoir la page catégorie comme canonique. Et là, du coup, tu, tu, peux, tu peux toujours ouvrir la discussion avec les équipes produits et dire, bah écoutez, là, cette page, Google, ne considère pas que c'est une bonne page pour cette intention utilisateur. Donc peut-être qu'il va falloir retravailler la page. Est-ce que ça ne vaut pas le coup peut-être de merger ou, ou euh, fusionner ces contenus ensemble Est-ce qu'on est qu dit vraiment tout ce qu'il y a à dire dessus Donc, ça, ça, ça peut être aussi la, une approche intéressante. Dans le chat, euh, coucou Sipai, qui avait oublié qu'on était mardi. Pourtant, j'ai fait plein de tweets de de machin. <laughs> Aucune excuse. Euh, ok, du coup, on a un peu parlé de. de de trucs vite fait en passant là euh, dans GA donc dans Google Analytics ou dans un autre outil euh, similaire parce qu'à bon, quelque chose près euh, on a à peu près les mêmes typologies d'infos euh, même si on a quelques variations euh, on a quelques variations d'un outil à l'autre euh, qu'est ce que tu prends euh, là-dedans euh tu, tu pioches quoi dans tes, non, pour te faire des petits, euh, petits KPI euh, sympas là-dedans ce que je pioche là-dedans <laughs> ah, J'aime bien, alors évidemment, déjà, la première chose que je regarde, c'est comprendre un peu le, le modèle d'attribution de données. Ah oui. Et puis s'assurer <laughs> qu'il ne va pas changer tous les trois mois aussi. Le fameux. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, d'ailleurs, comme modèle d'attribution de données euh, J'en ai pas spécialement un en tête. Euh, non, mais il y a pas. Enfin, j'ai vu que le linéaire, ça marchait. Euh, j'ai vu que le euh, second peut last click, donc l'avant-dernier lavant click, c'était pas trop mal aussi. Le pire que j'ai pu voir dans ma carrière, c'est last click. Alors ça, putain, ça te plombe tes performances d'un point de vue euh, channel. Ah, on considère juste le last click. Ok. <laughs> ça va piquer pour nous. Parce que, euh, bah, parce que le, 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 le canal organique, c'est vraiment un canal. Euh, soit découverte, soit mid-funnel, comme j'aime bien l'appeler, c'est intermédiaire. Euh, donc, ce click peut être un peu trop euh, rigide, on va dire. Euh... Qu'est-ce que j'ai dit il y a, Dorf me dit modèle d'attribution de conversion. Pourquoi j'ai dit quoi que Non, tu as dit ça, modèle bon, d'attribution de données, je crois. As dit, non ah, peut-être de données, oui, ouais, de conversion. Bon. Oui, donc, oui mais... bah, de conversion, c'est sûr, c'est oui. comment est-ce qu'on compte la conversion euh, bah c'est ouais, bien comprendre comment il est et s'assurer qu'il va rester comme ça ou si possible bouger vers un truc un peu, un peu plus euh, qui fasse qui a un peu plus de sens on va dire si possible euh, après euh, dans GA ce qu'on va regarder c'est sûr qu'on aime bien regarder la, la, la qualité du, du des clics qu'on a qu'on a attrapé euh, donc j'aime bien euh, généralement euh, euh, suivre tout ce qui est par exemple midi trait donc c'est taux de euh, taux de visiteurs ou taux de visite qui se rendent à telle, à telle page ou à telle on va dire à telle étape de la journée on va dire de, de, de visiteurs donc par exemple si si tu as réussi à, à choper des visites via je sais pas moi ta, ta page produit depuis le, le trafic organique ou alors carrément du contenu éditorial et tu sais qu'au bout d'un moment, ces gens vont se rendre sur euh, soit une page produit, soit sur euh, carrément la page template. Ah, template, ça veut dire que la personne a déjà commencé à, à être curieux de, pour pouvoir peut-être commencer le processus d'achat. De, de, bon, bah ça, c'est... Ça, généralement, c'est des, des bonnes nouvelles. En fait, j'aime bien regarder si, justement il y, a des, il y a des il y a du contenu qu'on a créé ou qu'on a mis à jour de façon assez drastique parce qu'on sait qu'il y avait un, une intention utilisateur d'un point de vue organique. Voir si justement le fait d'avoir fait ça, est-ce que ça a augmenté le medit rate to, uh, bah, aux prochaines étapes, on va dire, de la, de, de, de la conversion, on va dire. Je n'ai pas envie de dire conversion directement parce que je ne m'attends pas à ce que quelqu'un qui vient de l'organique va directement convertir. Ça peut arriver. Mais ouais. voir comment les, les, personnes, uh, les personnes, justement, se, 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 se comportent. Tu vois, par, par exemple, on avait créé. Uh, uh, on avait créé un, un, une page qui donnait, on va dire, des, des guidelines. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je suis désolé. Uh, des guidelines pour un, pour un certain type de produit. Parce qu'on avait vu, lorsque les gens cherchaient ce type de produit, ils s'intéressaient aussi à un certain type de guideline pour ce produit. Et le, le volume de recherche avait l'air d'être enfin, gigantesque, enfin, gigantesque. On se basait sur des, sur des indicateurs plus ou moins fiables. Et puis on s'est dit, on va faire le test. On a, fait, euh, on a fait le test, la page a été mise en ligne. Euh, en moins de 2-3 mois, ça a généré, je ne sais plus, euh, 700 ou 800 000 impressions avec euh, à peu près euh, 70 000, 80 000 clics qui étaient non brandés. Donc déjà, d'un point de vue SEO, c'était succès parce qu'on arrivait vraiment à bien cibler le truc. Et au-delà de ça, moi, ce que je voulais montrer, c'était, bah, vous voyez, ce contenu qu'on a créé, qui est vraiment un super contenu, c'était joli, hein? ce n'est pas juste un truc de, de texte dégueulasse, là, c'est vraiment quelque chose... Où on essaie de répondre avec les bons formats, les bons, les, les, les bons formats de médias dans la page, à une intention. Et ben on a pu voir que les gens qui arrivent là-dessus, mine de rien, même si c'est euh, genre 3% de ces gens qui sont tombés là-dessus, il y a quand même 3% qui ont fini par acheter un produit et cette page a généré, indirectement grâce au trafic organique, tant de dollars depuis le revenu SEO. Et ça, c'était juste du gros plaisir pour les décisionnaires, parce qu'ils comprenaient en fait que en essayant de répondre à des intentions utilisateurs sans pousser la vente, parce que vraiment, cette page ne comprenait... Et ça, c'était un, un pacte que j'avais pas, passé avec les équipes produits. Je dis, essayez pas de vendre vos trucs là-dedans. Les gens, ils veulent juste une réponse à quelque chose. Ben, quand tu leur donnes vraiment juste ce qu'ils veulent, ben, les gens, ils s'intéressent. Ah ouais, c'est bien, en fait. Vous savez de quoi vous parlez, etc. Je me promenais sur le site, et puis les gens ont acheté du produit. Donc ça... ça le revenu qui a été généré par cette page n'est pas incroyable. On parle d'un revenu à à cinq chiffres qui pour un très très gros site e-commerce n'est pas oui, pas <laughs> si gros que ça ah non c'est bien mais ce que pour, je veux dire c'est pour une catégorie c'était ouais, c'est pas mal c'est pas mal mais c'est juste que quand tu vois quand tu arrives à faire comprendre ben voilà je peux te trouver d'autres opportunités comme ça ça va te coûter tant de créer ce genre de contenu tant de temps de la part d'un designer tant, tant de de l'équipe produit tant tant de la part d'un éditorialiste et qu'au final on arrive à capter des potentiels, des potentiels nouveaux clients et que ça te génère ça, c'est gagnant pour toi parce que c'est un, un niveau de maintenance minimum. Et ça, c'est quelque chose qui, qui plaît énormément. Euh, je vais euh, Xavier dans le chat, votre petit rôle préféré. Euh, c'est du bullshit, les modèles d'Apribe. Oui. <laughs> euh, faut donner des rôles au channel et regarder comment ils fonctionnent de concert, surtout avec la collecte de plus en plus limitée par les navigateurs. Et ce, même à l'intérieur des channels oui non je suis certes oui, après j'ai moins, moins facile à mettre en place et, euh, et puis c'est peut-être plus notre métier nous de SEO de d'aller aussi loin dans la définition des rôles des channels à la limite nous on peut contribuer en on peut contribuer en disant on pense que le rôle du channel euh, organique c'est euh, euh, de faire ça, ça et ça, mais à un moment donné, on ne peut pas définir tout le monde. Nous, après, ce n'est plus notre métier. Quoi. Et... Non, après, là où je le rejoins. Oh, excuse-moi, vas-y, termine. Et il y a Sorgine. Sorgine, sur... 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 Surgin... le revenu influencé. Oui, Sorgine Ethics. Non, en fait, des noms simples. <laughs> je ne peux pas y aller. <laughs> Xavier rajoute, plus simple, pas notre métier, mais regarder les perfs par type de keyword ou type de LP, c'est super. Oui, c'est ce qu'on a dit. Eric. Oui, bah c'est ça. Euh, salut, c'est juste un coucou, je m'attrape le replay. Et bien, quand tu seras en replay, on te fait coucou aussi. Euh... Tiens, d'ailleurs, je, 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 je nous coupe dans notre raisonnement, mais là, en fait, on parlait justement de. Euh, euh, de... De revenus, de ce que le SO a pu, euh, a pu, euh, a pu générer comme, comme revenus, de façon plus ou moins directe, indirecte, en passant par des chemins détournés ou pas, euh, en ciblant telle ou telle intention de requête. Et en face, du coup, on met une dépense. Euh, Est-ce que ça, c'est important pour toi dans la perf, de mettre en face autant que possible de, euh, de, de mettre des, des, des dépenses en face en fait parce que bon soit tu as nos salaires nos outils euh, euh, mais est ce que c'est euh, est ce que ça te semble indispensable à mettre tu vois par exemple dans un, dans un tableau de bord direction euh, de dire euh, ça vous a coûté tant voilà ce que ça vous a rapporté ou est ce que c'est euh, euh, risqué en fonction euh, du rôle des channels euh, dans le modèle d'attribution bullshit qu'on va avoir. J'ai tout mis dans la même phrase. Quand tu dis dépenses, est-ce que tu peux me donner un exemple Qu'est-ce que tu entends par dépenses euh, Dépenses, bah, par exemple, le coût de. On parlait de contenu euh, édito euh, avec différents médias, par exemple, le coût de tourner une vidéo euh, d'explication ah. de comment on utilise un produit. Si tu veux faire un truc un peu classe, un peu sympa, ça a un coût. Euh, ou passer par une vraie boîte de prod ou au moins par euh, investir dans une caméra euh, pas trop pourrie un petit euh, un... ou même pour les photos tu vois investir dans un vrai appareil photo pour faire des produits euh, des photos de produits propres euh, avec j'ai pas le... je cherche le mot là d'un machin pour avoir euh, tes produits bien éclairés euh... Un socle avec des petites lumières. Voilà, un truc avec des petites lumières qui clignotent pour mettre en avant tes produits. Est-ce que ça, finalement, alors, tu le mets en face à un moment donné ou est-ce que c'est euh, -ce est un, euh, est un peu touchy et voire un peu dangereux Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai jamais eu le besoin de mettre, mettre l'emphase là-dessus parce qu'en fait, les équipes internes étaient déjà sensibilisées à ça. Par exemple, les photos, il faut que ce soit de bonne qualité. Ça m'est déjà arrivé de, de, de dire « Ah ouais, là, attends, on voit un produit, mais euh, cette photo, c'est de la merde, là, ça donne pas envie de l'acheter. » Et si on, on le sait, sait d'ailleurs, on a prévu de la refaire, la photo, on va refaire des nouvelles, etc. Nouveaux produits, ça arrive d'ici deux semaines. J'ai eu quelques rares cas comme ça, mais les équipes produits, vraiment, se, se, se préoccupent de, justement de l'image qu'on peut avoir de leurs produits, donc souvent, c'était « Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut, on peut, on peut rendre euh, nos produits encore plus, plus sympathiques ?» Alors, le problème... Ça, c'était plutôt quelque chose de positif. Euh... Après, le seul souci, c'est que parfois, ça allait dans l'excès. Par exemple, une fois, ils ont voulu mettre. On va faire une vidéo pour le produit. J'étais là, la vidéo, elle va faire quoi C'est le produit qui va tourner sur lui-même. OK. C'est un test. Hein? Oui, oui, c'est un test. OK, d'accord. D'un point de vue SEO, moi, j'y je... crois moyen, mais faites-le. Bon, d'un point de vue SEO, ça n'a ça, ça, ça rien changé. Euh, mais par contre, quand, effectivement, il y a des. Euh des intentions spécifiques qu'on leur dit, bah, peut-être la meilleure façon de, de répondre à ça, c'est pas de faire un how-to avec plusieurs images ou carrément de faire une vidéo où on peut avoir deux employés de la boîte qui, qui sont dedans. Euh, quand quand tu arrives à, à montrer un peu le, le potentiel de la chose, déjà Stéphane interne, 95% des cas, et puis souvent, euh, ils aimaient ça parce qu'en fait, ça leur permettrait d'avoir une approche différente pour traiter une, une opportunité. Donc, souvent, c'était bien fait. Euh, après, pour euh, faire appel à des externes, on n'a pas trop, trop, trop fait ça. Euh, ouais. Un peu pour de la rédaction de contenu, mais euh, l'équipe était très, euh, très tatillonne. Donc, euh, je me souviens qu'on avait fait un peu, puis après quelques articles, on m'a dit oh, Ça suffit. <laughs> ça suffit. <laughs> euh, donc, ouais, les dépenses, en fait, sont. J'ai pas, pas eu de blocage par rapport à ça, tant que ça reste c'est raisonnable. Donc, euh, euh, il, mettons qu'à l'interne, euh, décide que décident qu'on ne veut plus utiliser Power BI, mais on veut utiliser Looker. Donc, par exemple, à un moment donné, on utilise Power BI. Je dis OK. Mais à ce moment-là, on veut quelqu'un qui nous aide à recréer tous les rapports dans Looker, parce que ce n'est pas l'équipe SEO qui va refaire ça. OK, il n'y a pas de problème, vous aurez une équipe pour faire ça pendant quelques temps. Du coup, tu vois, quand c'est comme ça, ça, ça marche, parce qu'au bout d'un moment, Évidemment, ils veulent unifier un peu les différents outils qu'on utilise, parce que parfois, c'était n'importe quoi. Hein. T as... T as... Enfin, que ce soit dans chez... une boîte e-commerce ou même chez l'annonceur. Je pensais avec différentes équipes, <laughs> équipe, hein. est-ce qu'il y avait toutes les trois différents outils analytiques cest un, c'était Tableau, l'autre, c'était Power BI, l'autre, c'était Looker. Je disais, vous, d'abord, mettez-vous d'accord. Oui, c'est un truc. C'est ça. Donc, d'abord, quand la boîte a dit, bah, on... on unifie et c'est ça, Donc, on est là, OK. Mais voilà notre besoin. Que le besoin est rempli, il n'y a, de... ouais. a pas de problème. Mais Parce que juste quoi, pour. Euh... Oui, vas-y, pardon. Ah, pardon. Non, je voulais juste revenir sur, sur ce, que, ce que ce que disait Xavier auparavant. Effectivement, les modèles d'attribution de données, ça peut sembler un peu un peu bullshit. Le truc, c'est que quand toi, en tant que SEO, que tu sois manager ou directeur, tu n'as pas la main directement dessus et que tu dois parler avec les équipes analytics pour négocier, etc., le problème, c'est que ça impacte un peu. Euh... La performance revenu. Et ça, en haut, ils ne le savent pas. Donc, il y a toute une communication à faire. Et c'est pas forcément évident. Après, je suis d'accord avec Xavier sur le fait que ce qu'il faut, c'est vraiment sensibiliser l'utilité du channel auprès des équipes. C'est un channel, bitfunnel, c'est un channel d'acquisition. L'UCO, ce n'est pas un channel où tu vas essayer de maximiser la conversion nécessairement. Donc, ça, ça je suis d'accord sur cette partie-là. Mais vas-y, continue. Je voulais juste revenir là-dessus. Euh, tu as Dorf qui dit, mais de toute façon, Xavier, il est pas SEO. C'est pas faux. Non, mais tu vois, voilà, c'est peut une preuve aussi qu'il y a l'analytics. C'est pour ça qu'il faut parler à l'analytics. Parle Il ouais, y a deux métiers différents. Euh... Non, mais ah. La notion de qualité du trafic, c'est très bien aussi. Oui, aussi. Et Dimitri qui ah, vient d'arriver et qui nous dit hello. Hello, Dimitri. Euh... Ok, donc finalement, dans GA, parce que là, on s'est perdu, on est parti euh, ailleurs. Euh... Donc, dans GA. Ou dans les donc du coup c'est quoi les sessions et les sessions les, les sessions avec engagement euh... et à définir l'engagement ce qu'on appelle l'engagement sessions avec engagement euh... est ce qu'il y a eu des transformations des conversions sur ces contenus on va dire secondaires qu'on a créés euh... taux de rebond on n'était pas jamais été un grand fan de ça Bien, bon, taux de rebond, déjà c'est par page, hein, sinon ça veut rien, ça veut encore rien dire. Mais c'est. Je ne sais pas. J'ai jamais été un grand, grand fan du taux de rebond par page, parce que c'est. C'est vraiment du cas par cas. De bah, toute façon, euh... alors maintenant, dans le nouveau euh, Google Analytics, le taux de rebond, euh, il... bon, là pour le coup, il ne voulait pas dire grand chose, mais maintenant, il ne veut plus rien dire du tout, puisque maintenant, c'est l'exact inverse du taux d'engagement. Donc, donc okay, ça, donc quoi, maintenant il ne sert plus à rien du tout. Donc déjà avant il n'était pas au top, mais euh... mais maintenant vu que si on a un taux d'engagement de 70%, euh, le taux de rebond il est à 30. Bon super, merci. <laughs> mais tu vois ce qui, ce qui est intéressant, est ce qu'on regardait, ce que je regardais de temps en temps, c'est voir euh, parce que souvent ils avaient des objectifs secondaires dans GA. Voir aussi tes, tes, tes créations de contenu, tes mises à jour de contenu, est-ce que ça a eu un impact sur cette participation aux objectifs secondaires depuis le trafic organique Même si l'impact est minimal, tu as juste envie de voir de temps en temps si bah voilà, ça a permis de faire ci ou ça a permis de faire ça. C'est toujours. Tu es juste assuré que ça n'a rien fait de négatif, quoi. Donc évidemment euh, euh, tout ce qui est euh, taux de conversion depuis une page, bon, ça, c'est quelque chose que je regardais aussi d'un point de vue global, lorsque par exemple, je participais à des, à des programmes de test. Test AP, ah, notamment parce que, ah, que les équipes avaient des problématiques spécifiques. Donc là, tu. Et ça, j'aimais bien parce que du coup, ça me permettrait d'enlever la casquette SEO et de mettre une casquette plus web stratégiste. Bon, ben voilà euh, la catégorie de produits. Euh, on, veut, euh, on veut réussir à avoir plus de nouveaux visiteurs ou de nouveaux clients qui convertissent. OK. Et là, tu dis qu'est-ce qu'on fait Donc là, moi, je lève la main. Je dis bah, peut-être que le premier call to action, ça ne devrait pas s'appeler recommander, mais juste commander. Pour, euh, des nouveaux tu vois, Donc tu après tu peux jouer ça ou peut-être qu'on pourrait mettre le call to action. Il est, je le trouve pas assez visible. C'est une hypothèse. Ou, ou, euh... Moi j'ai vu par exemple que dans... en se basant sur les requêtes de recherche, les gens cherchent cette information et cette information elle est planquée dans un accordéon en bas de la page. Peut-être qu'on pourrait mettre ça ailleurs. Tu vois donc tu peux comme ça suggérer des idées et puis après tu rentres dans un, oui. dans un programme de test. Ce qui est plutôt cool. Euh, Xavier sur le taux de rebond euh, taux de rebond par typologie de page oui euh, le métrique ne veut rien dire mais la direction et la comparaison est hyper utile oui forcément et Dorf euh, nous précise que cela dit il est plus juste qu'avant oui puisque maintenant euh, euh, vu que c'est l'inverse du taux d'engagement et que le taux d'engagement dès qu'on scroll ou qu qu'on fait euh, le moindre petit truc sur la page on est engagé du coup, effectivement, là, maintenant, le taux de rebond, il est plus juste, puisque c'est vraiment maintenant quand on n'a rien fait du tout, euh, et qu'on est mmh. juste reparti. Donc, à la limite, là, il est, euh, il est effectivement maintenant plus juste. Mais à la limite, autant, euh, c'est la bouteille à euh, moitié vide ou à moitié pleine, quoi. Finalement, si on veut regarder le taux d'engagement, euh, et si on a un bon taux d'engagement, euh, a priori, le taux, de, le taux de rebond derrière est plutôt faible, quoi. Euh, et dans les logs, qu'est-ce qu'on regarde dans les logs et qu'est-ce qu'on peut prendre pour la perf Et bon, je pense c'est assez, assez facilement. De la, cette partie-là reste plutôt côté, euh, côté équipe interne SO plutôt que de monter à la direction. Euh, oui, Xavier, exact. ça donne plein d'insights dans un sens ou dans l'autre, le taux de rebond, le taux d'engagement, bien sûr. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qu'on regarde dans ces fameux logs serveurs bah, En gros, bah, gros l'analyse euh, de logs, c'est vraiment voir ce que, ce que Google voit, donc euh, analyser ton visiteur qui s'appelle Googlebot. Enfin, si je focalisé juste sur Google, parce que, ce que je faisais, hein, ce que je fais régulièrement ici, vu que c'est Google qui est. Qui domine euh, bah, tu as tout ce qui a tout ce qui est évidemment euh, page orpheline qui, qui, qui gère du trafic ça tu peux la voir avec les logs euh, tout ce qui est euh, duplication de contenu alors après il y a des choses que tu peux voir avec un, un petit crawl aussi hein, mais euh, souvent euh, si on si on se focus vraiment juste sur les logs donc, tout ce qui était page orpheline active ça, euh, ça c'est quelque chose que j'aime que bien voir régulièrement. Euh, tout ce qui est aussi page qui, qui bouffe vraiment du crawl et qui n'ont rien à faire ici, c'est pas mal aussi. Ça, tu peux voir parfois qu'il y, y a des problèmes. Par exemple, ça nous est déjà arrivé. Euh, il y avait des vieilles, vieilles campagnes euh, paid search qui n'avaient pas été désactivées et qui bouffaient énormément de, 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 de crawl de Googlebot. Et... Du coup, je parlais avec les équipages, je dis, écoutez, ce genre de choses, ça doit vivre ou pas Ah non, non, on a oublié de désactiver et tout. Ça fait un an que c'est là. On va peut-être le dégager. Donc, du coup, ça te permet de... Tu, tu fais un peu le ménage dans où Google devrait passer plus ou moins de temps. Euh... Après, est-ce qu'il y a des. Alors après, tu peux rentrer un peu plus dans le dans, dans les... Évidemment, il y a tout ce qui est les choses classiques, hein, les, les pages d'erreur de et les redirections, tout ça. Mais bon, ça, tu peux le voir aussi avec, euh, avec un screaming frog lorsque tu crawles. Euh... Mais euh, bon, est-ce qu'il y a des pages qui sont critiques pour la business qui n'ont jamais été crawlées? Euh, un truc que j'aime bien faire, qui n'est qui pas, pas évident à faire. Je n'ai pas encore trouvé de façon si facile que ça de le faire, mais quelque chose qu'on essaie de faire petit à petit, c'est un peu analyser l'efficacité du crawl. Donc ce que je veux dire par là, c'est analyser, on va dire, le, le temps entre le moment où on faisait une modification sur une page ou dans la structure du site, et le moment où Google recrolait, Parce qu'en fait, ça, ça, je trouvais que c'était un bon indicateur pour voir... Oui, en combien pour de temps justement est -ce que... prendre en compte tes modifications, voilà. quoi. Est-ce que tout le ménage que j'ai fait, ça aide à aller plus vite Pas. Tu vois, ça, je trouve que c'est un bon indicateur, parce que si à chaque fois c'est long, ok il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'aimais bien, bien faire de temps en temps. Mais, euh... Dans les logs, ouais, c'est vrai, vrai que souvent on trouve des, on a des, des surprises assez rigolotes quand même, des fichiers ah oui. sur lesquels Google s'énerve et qui il, il vient voir huit fois par jour, euh, on ne sait pas pourquoi. Euh... Euh, Durf nous dit aussi, ouais, le délai entre le crawl et l'indexation, oui aussi, entre le crawl mmh. et la prise en compte des modifications, le crawl et l'indexation. Euh... C'est aussi des indicateurs assez sympas. Ce qui peut nous permettre aussi, euh, pour ceux qui ne seraient pas très convaincus, d'avoir des roadmaps plus précises. Disons, si je veux par exemple que ma page, euh, c'était la Saint-Valentin, donc que ma page Saint-Valentin, elle soit euh, bien à jour euh, au moment où euh, les gens vont commencer à s'y intéresser. Ici, euh, si moi j'ai un délai euh, de euh, plusieurs plusieurs jours, par exemple. Je peux pas la mettre ouais. en ligne le 13 février quoi, euh, parce que ça sera trop tard. Faudra qu'elle soit mise en ligne en amont pour que Google il ait le temps de venir la voir. Euh, D'ailleurs, on peut se rajouter aussi entre le délai entre le crawl, l'indexation ou et ou la mise à jour d'une page, euh, des pages comme ça qui bougent pas pendant très longtemps. Est-ce qu'on a le même délai euh, Parce qu'on a souvent des pages qu'on met Parfois à jour qu'une fois par an. Genre typiquement, euh, j'étais dedans euh, Saint-Valentin, euh, voilà. Noël. Le, le menu de Saint-Valentin <laughs> ou le menu de Noël, euh, qu'on va mettre en ligne euh, qu'une seule fois par an, en fait. Euh, le, le moment où, bah, comme il vient plusieurs fois et qu'il n'y a rien qui change, au bout d'un moment, son temps, sa, la, sa fréquence de crawl, elle diminue. Et du coup, de ne pas se faire avoir là-dessus en disant, mais finalement, une page que je n'ai pas mis à jour pendant un an, en combien de temps il la met à jour? Mmh. Ça, ça peut être des, des euh, ça peut être, ouais, dans les roadmaps, un, un truc à prendre en compte, quoi. D'ailleurs, pour le tout dit, ce qui est, est log, et la page ah. dans le menu principal et le cœur de home page, ça va jouer. Oui, si tant est que ton client il veut bien la pousser à ce moment-là, euh, et voilà. Parce que c'est pas toujours euh, pas toujours évident à faire. Mais en tout cas, tu sais que si sans la coucher, euh, voilà, il, euh, il peut mettre un certain temps. Euh, il peut mettre un certain temps avant de la mettre à jour. Quoi. Euh, Olivier nous dit, et de ban sur les logs serveurs, et de ban certains bots, une mine d'or euh, les logs pour comprendre le SO. Ouais, c'est sûr qu'on peut ban quelques. Quelques. Quelques bad bots. Euh, aussi. Encore que sur les petits sites. Bon, sauf si vraiment il y en a un qui prend le qui prend le qui prend le lead sur tout le monde. Il met plus de temps à essayer de les bloquer que à les laisser venir bidouiller sur la page. Au moins en propre dans les logs. Quoi. Voilà, on fait des trucs très 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 tordus. Quand on les détecte dans les logs, on les envoyeurs pour qu'ils arrêtent de piquer le contenu. Ça, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça, j'ai euh, fait cru... ça aussi. Ouais, ouais le truc, c'est qu'ici à Boston, as Harvard et MIT, et un jour, on s'est retrouvé avec euh, un bot d'Harvard qui était vachement agressif, du coup, on l'a bloqué. Il nous ah <laughs> Ils nous ont contacté, Ouais, mais non, on veut creuser pour un projet. Je dis, ouais, mais là, euh... là c'était même plus SEO. Là, c'était, ouais, mais le bot, il est ultra agressif. C'était euh, des, des élèves qui, qui avaient monté un truc euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est assez, euh, assez rigolo. Mais euh, pour les logs, ce que je voulais rajouter, c'est bah, intéressant. De toute façon, l'analyse de logs, c'est très technique et effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez redondant. Euh, si jamais euh, c'est quelque chose que vous devez faire en interne et que vous n'avez pas le temps, quelqu'un qui est vraiment junior et qui n'a jamais fait de SEO avant et qui s'intéresse à ça, c'est super pour démarrer. Et c'est ce qui se passait dans mon équipe lorsque j'étais chez Vista Print. J'avais eu un, un junior qui était arrivé dans mon équipe. La personne était designer avant. Et euh, elle a adoré faire ça. Et du coup, euh, super efficace elle de monter des, des petits rapports. Et une à deux fois par une fois par mois, on avait notre, notre analyse de log avec euh, différentes choses qu'on qu traquait. Et, et il adorait aller se farfouiller là-dedans, voir ce qui se passait, voir ce que Google trouvait. Donc c'est un, bon, euh, un bon topic d'apprentissage, je trouve en SEO, pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Ouais, c'est vraiment spécifique quoi. Moi, ouais, j'avoue que j'aime bien aller euh, j'aime bien aller regarder ce qui se passe dans les logs. Ouais. Au moins, euh, au moins dans les grandes lignes, déjà pour voir effectivement s'il n'y a pas des trucs qui ne servent à rien, euh, euh, parce que des fois sur les sites, on a des fichiers qui... Euh, J'ai vu des, des, des fichiers TXT euh, qui, qui étaient générés par je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais sur lesquels, en fait, Google passait sa vie euh, sur le site. Et alors que nous, en crawlant et tout, cela, on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir, on ne les remonte pas dans la surface comme ça. C'est vraiment des endroits de des trucs qu'on n'arrive pas à voir. Et, euh, et du coup, c'est rigolo. Et aussi, euh, notamment, c'est un truc qu'on peut faire avec euh, SEO Lizer, euh, avec d'autres, mais en tout cas avec lui, euh, je trouve que c'est plutôt facile à faire, euh, de catégoriser les, les pages et de regarder le crawl par catégorie. Et notamment quand on va ouvrir une nouvelle catégorie pour voir en combien de temps il vient la prendre en compte et, euh, et si. Euh, à quel moment son taux de crawl il est à peu près euh, similaire euh, aux catégories d'à côté quoi Parce qu'une nouvelle catégorie c'est parfois un peu long à lui faire ouais. prendre en compte euh, dans une nouvelle structure de dans une nouvelle structure de site c'est parfois compliqué il prenne un peu des pieds à aller tout voir et c'est vrai qu'avec l'analyse de l'homme on le voit on le voit bien en fait ça et du coup voilà effectivement on peut pusher du coup depuis la home depuis les menus depuis euh, on peut jouer avec ça quoi. Xavier propose de bloquer à ban en Prio le bot de Babar et de SEO Observer. On va être content chez Babar. On va te dénoncer. Hein Tant pis. Donc, on, on dénoncera ah, là, là. Xavier là-dessus. Euh, voilà, on a déjà pas mal d'indicateurs sur la perf sur lesquels on peut, on peut jouer et plein d'idées un peu. Euh, on s'était noté aussi un truc, moi c'est un. <laughs> euh... Un truc qui... Euh... qu'on avait, euh... Qu avait évoqué aussi. Euh, c'est euh, la. Euh, Je vais y arriver. Je me... Je... La paire faisceau un peu par pays. <laughs> Pause lumière. Ah, plus de lumière. Ah merde non. Ok, c'est revenu. <laughs> c'est ambiance boîte de nuit où je suis. On va faire ça avec des petites lumières. Déjà, moi j'ai un micro qui change de couleur. Euh, c'est quoi cette histoire de lumière C'est que euh, toutes les 20 minutes à peu près, la lumière s'éteint. Il faut ouais, je suis dans une <laughs> salle. La lumière s'éteint, du coup je me retrouve dans le noir. C'est une excellente salle pour faire des podcasts, c'est très bien sonorisé. Mais je ne sais pas pourquoi la lumière, c'est un détecteur, du coup. Comme, parfois euh, ça s'éteint. Comme on nous a fait euh, tout à l'heure remarquer, on n'est pas à Versailles ici. Pas attention. On ne <laughs> dépense pas l'électricité. Exactement. Ouais. Donc du coup, un peu c'était, bon, ok, on a la perf, on a, euh, on a réussi à définir des grands indicateurs et, euh, et d'avoir quelques idées euh, secondaires ou des, des choses à, à mettre en, en œuvre. Euh, et moi, la question que j'ai, c'est, euh, tu as travaillé à l'international. Hein et donc, du coup, ouais. en fait, on sait que globalement, tous les pays n'ont pas euh, la même sensibilité au SEO et n'ont pas tous la même sensibilité à ce qu'est la perf. Et dans ce cas-là, comment on... Donc, il y a la partie produits, où on n'a pas les mêmes catégories par produit, où certains produits sont euh, pas vendus. Euh. Ben, C'est vrai qu'en France, on n'a pas les bannières de fin d'études des étudiants. Euh. Ben, ça ne se fait pas du tout. Donc, euh, même si on a un, un site en France, ça, on sait que ça ne sert à rien de me coller dans les indicateurs, puisque de toute façon, moi, je serais à zéro ou presque. Euh, mais donc, du coup, comment on... <laughs> comment on gère hors produit, en fait <coughs> Comment on va gérer un petit peu ces, ces petites différences de ces petites différences de sensibilité au SEO et à la PERF? Et est-ce que tu as des grandes, des, des, des grandes catégories par pays d'indicateurs qui plaisent plus dans un pays ou dans un continent que dans un autre? Um... Oui, oui, donc il y a effectivement, d'un pays à l'autre, bon, déjà, tu as évidemment le, le revenu qui est généré par chaque pays, ça, ça va être un bon indicateur pour savoir quoi prioriser. Euh, mais le truc, c'est que malgré tout, les, les pays qui, sont un peu plus, qui génèrent un revenu moindre, au d'un il va falloir s'en occuper quand même. Et généralement, ce qui est intéressant de voir, c'est euh, analyser justement déjà qu'est-ce que le trafic organique représente pour chacun de ces pays, parce que ce n'est pas forcément le même pourcentage d'un pays à l'autre. Et aussi, quels sont ou quel est vraiment le, le produit phare pour un pays? Par exemple, on avait un produit spécifique euh, qui était ultra recherché en Italie, alors que dans les autres, les autres pays, pas forcément. Donc là, tu dis, bon, bah, si je travaille pour Italie, du coup, je vais travailler pour cette catégorie de produits en priorité parce qu'il y a encore du boulot à faire. Euh, après, c'est vraiment, euh, vraiment au cas par cas. Il y, a, il y a effectivement des pays pour lesquels, par exemple, un produit va rencontrer beaucoup plus de compétiteurs je sais par exemple que pour certains produits qu'on avait en Allemagne il y avait énormément de compétition locale énormément énormément et c'était pas facile de ranker sur tout ce qui était middle long tail parce que la compétition locale c'est, ils sont là depuis longtemps machin et tout et même si as un, un gros domaine qui s'appelle VistaPrint.DE. tu as quand même de, de quoi de quoi affronter en face quoi donc c'est vraiment et je pense qu'il y, 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 y a la demande à il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Bon, as Déjà, tu as le revenu par pays qui t'aide à prioriser ou travailler en priorité, mais ça, ça c'est généralement facile. Euh, la part du trafic SEO par pays, qu'est-ce qu'elle représente Et peut-être des pays, c'est 10%, et peut-être des pays, c'est 30%, il faut, faut, euh, faut un peu voir ce que c'est. Quels sont les produits les, les plus recherchés, on va dire, dans un pays Et euh, quelle est la compétition locale, en fait Donc, Déjà, moi, je démarrais avec tout ça. Après, par contre, la façon pour reporter les performances, c'est la même chose d'un pays à l'autre. Si on veut juste uniformiser la façon de communiquer sur les performances SEO, c'était la même chose d'une façon à l'autre. Après, euh, parler aux au gestionnaires des, des pays, parce qu'évidemment, il, il y a plusieurs managers, des hein, country managers là. Euh sont répartis, donc chez Vistaprint les gens étaient répartis à travers le monde, chez SN c'était facile, tout le monde était à Montréal donc c'était pas très compliqué pour se parler, mais quand les gens sont, sont dispatchés entre différents fuseaux horreurs, c'est plus compliqué Et donc là ce qu'il faut c'est ça va paraître bête, mais ce qu'il faut c'est vraiment prendre le temps de les sensibiliser, donc tu fais un peu un, un, tu fais des workshops SEO personnalisés pour eux en mettant en avant un peu les les, les, les spécificités pour, pour leurs problématiques, leurs pays les pays qu'ils gèrent et euh, essayer de leur, leur comprendre. Euh, et en fait, ce que tu essaies de faire, c'est voilà ce que c'est le SEO chez VistaPrint ou n'importe quelle boîte, voilà ce qu'on génère, euh, voilà comment nous, on peut t'aider dans ton, dans ton quotidien, et voilà toi comment tu peux nous aider. Et puis à partir de là, c'est là où tu peux commencer à, à travailler. Euh, généralement, ça se passe bien. Déjà, les gens sont contents. Tu prends le temps de faire ça pour eux parce que quand c'est un plus petit pays, tu sais, ils, sont... ils ont l'impression d'être un peu mis de côté parfois. Et puis, ça permet d'avoir de... une communication facilitée avec, avec tout le monde. Quoi. Euh... Ça peut arriver parfois. C'est très très rare de tomber vraiment sur euh... quelqu'un d'extrêmement euh... borné <laughs> qui ne veut pas t'écouter. Ouais, je me méfie moi. Non, 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 tu ne seras pas surpris. Non, ce n'était pas, pas vraiment des euh... gestionnaires de pays, mais plus un certain type de produit. Quand les gens ont vraiment une vision biaisée du SEO, il bon, y a plus de travail à faire. Ou alors, bah, écoute, tu peux faire comme ça, mais voilà ce qui va se passer. Donc, nous, on communique là-dessus, c'est ça qui arrive de se passer. Maintenant, tu confirmes juste que tu es en as accord avec ça. Dans ma tête, ça veut dire tu signes avec ton sang que si tu perds du trafic, tu, tu gères parce que moi, je peux rien faire pour toi. Tu signes avec ton sang. <laughs> ah, des fois, c'était ça. Hein. Bah, y a, y a, bien sûr, les gens ont une vision, les gens ne peuvent pas être d'accord, mais quand tu expliques, quand tu prends vraiment le temps d'expliquer, que tu montres voilà, comment ça marche, voilà des exemples de ce qui a marché en interne, et que la personne est toujours butée, elle dit non, non, moi je ne vais pas faire ça. Bon, ben, bah, ok, on va faire ce qu'on peut, mais... <laughs> uh, mais... Peut-être un truc sur lequel je voudrais rebondir, euh, si c'est si, si OK pour toi, tu, sais, tu parlais justement de comment, comment est-ce que ça se passe à l'interne entre les équipes, justement, pour gérer d'un pays à l'autre. Il y a peut-être un truc qui peut être intéressant, c'est aussi comment est-ce qu'on s'évalue sur la mesure de performance en tant qu'équipe. Si tu veux, je peux oui. en parler un peu. Oui. Ça peut te, ça... oui. Euh, donc, euh, quelque chose qu'il qu y avait chez, chez Print et qui a toujours, je pense, c'était l'usage des OKR. Donc, objectif qui résulte. Euh, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à appréhender, mais au final, est très, très pratique quand tu arrives à bien comprendre son fonctionnement, parce que ça t'aide à euh, savoir sur quoi travailler pendant un trimestre ou une année, tu sais exactement vers où tu t'en vas. Donc, certes, tu as tes KPI, tes SEO, mais tu as aussi tes objectifs en tant qu'équipe. Il y a un bouquin d'ailleurs à lire sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle Mesure what, what Matters. C'est un bouquin écrit par John Doerr. Le bouquin est génial. Il y a juste un bouquin à lire, c'est celui-là. Lisez-le si ça vous intéresse. C'est très facile à lire. Euh, un, vrai petit, un vrai petit, plaisir. Et en fait, ce que ça te force à faire en tant qu'équipe, euh, ce qu'on faisait en fait, c'est que chaque trimestre, on se définissait des OKR, donc objectifs qui résultent, en disant qu'est-ce qu'on veut faire. Donc par exemple, c'était, euh, euh, je sais pas moi, un objectif, ça va être euh, un objectif, ça va être je veux, euh, je veux devenir une référence en matière de, euh, de conseils sur tout ce qui est euh, de conseils sur tel produit dans tel pays. Voilà, c'est mon objectif. L'objectif, qui est bien sûr un objectif qui va être aussi business, Tiens, on essaie de, de mettre la partie business là-dedans. Voilà, c'est ça notre objectif. D'un point de vue SEO, si on veut faire en sorte que VistaPrint dans ce pays ça devient vraiment une référence pour, euh, je sais pas mal, pour tel ou tel topic, ou même plus que tel topic, on veut devenir la référence en matière de X ou Y, chose. Donc ça, c'est ton objectif. Faut il faut qu'il te fasse un peu rêver, tu sais, faut il faut qu'il soit un peu, euh, un peu quand même euh, inspirant. Et à côté, le key result, ça va être, bah, est on va... comment est-ce qu'on va, me... euh, va mesurer, on va dire, le... enfin, comment on va l'accomplir Comment on va l'accomplir cet objectif, et c'est là où tu vas justement lister un peu euh, des choses que tu vas faire sans être trop micro, mais euh, je sais pas, ça peut être euh, on va créer euh, n'importe quoi, un ensemble de, de 20 pages qui vont pas qui vont traiter de 20 topics différents parce que ça correspond à des intentions usagées très recherchées, très spécifiques, et il n'y a pas de réponse pour l'instant euh, dans ce pays. Ça va nous aider à atteindre cet objectif, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi, ben, on, va, euh, je sais pas, bon, on va retravailler, euh, on va retravailler euh, la page produit, on va retravailler la page catégorie. C'est vraiment comment tu vas vouloir atteindre cet objectif. Et après, tu peux toujours te mettre un petit objectif. À la fin, ça va être en plus de ça, ben, je veux que le, les clics SEO non-branded augmentent de X% lorsque je serai là-dessus. Et en fait, L'intérêt de faire ça, c'est pas facile comme exercice. Je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est pas facile <laughs> après avoir fait ça pendant cinq ans. Parfois, je le fais et en, dans l'équipe, on se challenge à l'interne. Parce qu'il faut vraiment que tu essaies de, de prendre un peu de recul par rapport à ton day to day. Et essayer de mettre la tête hors de l'eau de tes métriques et de tes et essayer de penser un peu plus large. C'est qu'est-ce que je veux accomplir et comment est-ce qu'on va accomplir ça euh... Et parfois ça peut être beaucoup plus large que ça. Là je te donne vraiment un exemple un peu, un peu spécifique. Donc tu, sais, tu qu'est-ce qu'on va accomplir, comment on va l'accomplir, et qu'est-ce qu'on va utiliser peut-être comme Metrics ou KPI pour mesurer le, le succès de tout ça. Et L'avantage de ça, c'est que ça te donne à toi et à ton équipe des directives très claires pour le trimestre, pour l'année. Et quand l'entreprise fonctionne déjà comme ça, on va dire au niveau euh, VP ils veulent, tu vois, qu'ils ont un peu ce genre de choses. Bah, le fait de faire ça aussi d'un point de vue SEO. Ça te permet de communiquer plus facilement avec eux, en fait, parce que tu essayes. L'objectif, du coup, tu vas essayer de faire un objectif qui va peut-être se connecter avec l'un de leurs objectifs, ou parfois ça peut être le même. Parfois ça peut juste être le même, et tu dis, bah voilà, euh, je ne sais pas, moi, euh, l'objectif de la boîte, ça va être, euh, on, veut, euh, on veut pouvoir se connecter davantage avec nos clients en leur donnant, je sais pas moi, les meilleurs conseils ou, ou les aider dans, la, dans le choix de leurs produits, ce genre de choses. J'invente n'importe quoi, là. Bon bah toi tu vas essayer de prendre cet objectif, tu dis ok, tu quoi, on peut, on peut garder cet objectif pour le SEO, et puis voilà ce qu'on va voilà comment on va essayer de le faire. Sans être trop détaillé. Et c'est pas facile à mettre en place, mais quand c'est mis en place et que ça marche et que l'équipe a l'habitude de travailler dessus, ah, ça te permet tout de suite de savoir où tu t'en vas. Tu vois, et ça c'est motivant pour l'équipe en fait. Et euh, bon, je pense que chez Vistaprint, c'était pas trop le, le souci, mais euh, euh, comment t'embarques en fait les... Euh... Ah attends, du coup, avant ma question, on va prendre celle de Durf. Quelle est pour toi la meilleure organe des réunions PERF entre les différents pays dans le contenu des reportings, etc. Meilleur des réunions. C'est-à-dire le, le meilleur format de réunion, la meilleure façon de, de, de communiquer sur les performances Ouais, entre je pense, chaque pays. Est ce que je comprends, ouais. Ou est-ce que tu fais... Ouais, ouais c'est ça. Après, ça dépend un peu comment... Alors, c'est là où je dirais que l'humain va être important. Parce que si ça ne qu'à moi. Bah, je vous fais un dashboard, allez voir dessus et ne me faites pas chier. Quoi. <laughs> Évidemment, je ne ferai jamais ça. ça est... pas comment est-ce que vous voulez... Non, c'est super efficace, en fait. Non, puis surtout, un dashboard, ça ne va pas tout te dire. Euh... Il y a plusieurs façons. Soit tu vas communiquer à la personne qui gère justement tous ces managers de pays et tu vas dire ben voilà, ce que, voilà le, le, les insights qu'on a d'un point de vue SEO par pays. C'est ça, ça et ça. Et tu vas vraiment essayer de limiter aux trois plus grandes choses. C'est ça qui se passe à, à cause de telle et telle chose. Et notre next step qu'on suggère, c'est d'aller par là ou de faire ça. Donc ça, c'est comme ça que je le ferai. Soit c'est une personne qui centralise tout. Soit, généralement, ce qu'on ce qu avait chez, chez Vistaprint, c'était vraiment des, des, des country managers, donc il y en avait plusieurs. Une personne gérait plusieurs pays, et du coup, on, on communiquait à chacun d'entre eux. On avait quand même un, un, un format standard pour préparer tout ça. Euh, mais ouais on communiquait un peu à, à différentes personnes. Et l'avantage, c'est qu'en fait, la façon dont on travaillait chez, chez Vistaprint, que j'aimais bien, c'est que tu avais l'équipe SEO, qui était une équipe centrale. Mais chaque personne de l'équipe SEO... Était en fait un point de contact, soit pour une ou plusieurs, enfin une à deux catégories de produits ou une catégorie de pays. Donc tu vois, à chaque fois qu'ils avaient leur réunion, par exemple, moi j'étais le contact principal pour tout ce qui est business card à travers le monde entier. Donc, quand ils avaient, donc j'allais dans l'équipe produit, j'assistais à leur sprint, sprint planning, les catch-up, j'étais avec eux en fait. Donc ils, ils, ils se voyaient peut-être quoi, trois fois par semaine? C'était des petites réunions, pas très longues, et ça me permettait de bien m'immiscer dans la, la vie du produit, de bien euh, m'immerger, on va dire, dans la gestion de vie du produit, et de, de communiquer euh, régulièrement ce qui se passait. Donc, d'un point de vue SEO, je dirais qu'il n'y euh, avait pas vraiment de nécessité à, à faire des rapports longs large chaque semaine. C'est plus, euh, c'est quoi les insights Ou alors, c'était par exemple, j'avais rien de spécial, et puis il me disait, hey « Hé Arnaud, euh, la semaine dernière, depuis le, la partie organique, on a perdu… Euh, » d'une année à l'autre euh, 20% sur ce produit ok je vais investiguer ou parfois j'investiguer pendant que la réunion se passait et puis je disais écoutez point de vue de trafic tout va bien ou je peux essayer de pousser l'analyse on verra mais c'était vraiment on s'adaptait un peu quoi j'espère je que ça répond à la question il a précisé ou euh, alors si c'est toi le manager entre les pays ouais euh, bah comme je disais en fait chaque, euh, chaque personne de l'équipe SEO, relativement intermédiaire ou senior, était un point de contact pour, euh, pour une équipe pays. Par exemple, il y avait quelqu'un d'équipe SEO qui s'occupait de euh, UK, Irlande et France. Euh, il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait d'Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. Tu vois, c'était comme ça, en fait. C'était regroupé comme ça. Et souvent, ça, ça marchait bien, en fait. Le seul inconvénient de cette façon de faire, que qu'on essayait de limiter au maximum, c'était après, nous, il fallait qu'en interne, on communique bien sûr entre nous. Parce que, du coup, l'équipe explosait un peu. Ouais, du coup, ouais, tu es obligé de bien faire remonter les infos. Euh... Ça. Et qu'elles descendent et qu'elles remontent bien aussi. Quoi. Euh... Et du coup, ma question, c'était euh... Oui, du coup, bon, je pense que chez euh, des, des grosses boîtes comme euh, Vista, euh, le problème du SO, ce n'est pas un problème. Mais euh, comment, tu, comment tu sensibilises On avait parlé de, de storytelling pour, euh, pour embarquer un peu tout ça. Euh, entre euh... comment tu fais en fait pour euh, voilà pour, euh, pour les embarquer sur de la perf sur des équipes qui sont peut-être trop focus sur eux leur chiffre d'affaires par exemple et qui vont avoir du mal à voir euh, les, les, les KPI d'à côté quoi hmm. et... alors ouais data et storytelling c'était un on va dire un, une compétence euh, on the side que j'ai développée à l'interne, euh, que j'ai pu développer à l'interne. C'est quelque chose au début qui m'intéressait, mais juste moi, personne n'en parlait. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais commencé à euh, faire ça pour, pour l'équipe SEO. C'est-à-dire que c'est moi qui, lorsqu'il y avait des rapports à faire, je dis, écoute, si tu veux, donne-moi ça, et je vais t'aider à préparer toute ta partie euh, représentation graphique et storytelling. Donc, euh, bon, je me suis documenté, j'ai fait une petite formation ou deux, il y a, il y a pas mal de bonnes ressources euh, en ligne. Euh, il y a un excellent euh, site qui s'appelle storytellingwithdata.com que je vous recommande si jamais ça vous intéresse. C'est une ancienne euh, analyse de chez Google qui s'est lancée là-dedans il y a maintenant plus de 10 ans. Elle a vraiment une approche très simple de la chose et il y a plein d'exercices, c'est cool. Et en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de faire ça... Les autres équipes ont commencé à voir que, putain, au SEO, ils ont des, des rapports qui sont super propres, je comprends tout de suite ce qui est présenté. Je veux dire, c'est savoir utiliser la bonne représentation graphique pour communiquer euh, le bon type de data. Donc, ça, déjà, c'est une première chose à faire. Et tu le fais pour tes propres dashboards. Et sachant qu'il y a des dashboards au niveau SEO, qu'évidemment, vous partagez partager avec les autres équipes, que ce soit marketing ou pays ou, ou produits. Donc, quand tu commences déjà à mettre ça... Proprement, avec des, des bonnes légendes, des bons indicateurs, euh, le choix des bons codes couleurs. Parce que je ne sais plus, il y avait genre 10 ou 11% des gens qui travaillaient là-bas qui ne voyaient pas les couleurs comme tout le monde. Euh, bah ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est comment présenter tout ça. Donc, ça, pareil, ça vient un peu avec de l'apprentissage. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Évidemment, tu peux soit présenter ton, 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 ton dashboard Looker que tu as fait. Tu commandes, tu vas étape par étape. Ou si tu as vraiment envie de faire de mettre les petits plats dans les grands, tu fais des exports de ça, tu te prépares un espèce de de deck où tu vas montrer chaque étape de ta de ton rapport. À, je dirais sur chaque slack différent. Plutôt que de montrer une courbe. Je tu as, as une courbe qui monte et qui, avec un pic, puis ça redescend et ça fait ça. Et bien bah, tu dis, bon, voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous parler de, des performances. Euh, Comment est-ce que les performances SEO ont évolué ces six derniers mois pour telle catégorie de produits dans ce pays Eh bien, tu montres un petit bout à chaque fois de, de, de ta représentation visuelle. Je dis, bah là, au début, le contexte, c'est ça qui s'est passé. La cause, ça a été ci. On a fait cela ici. Tu as des indicateurs. Puis après, tu bouges sur la prochaine slide. Là, tu montres un autre bout de ta représentation visuelle. Donc, ça se construit pour, au fur et à mesure. Tu dis, ici, c'est ça qui s'est passé. Donc là, je ne fais pas par exemple, ah là, ça s'est cassé la gueule parce que les pages étaient index pendant deux jours. Euh, <laughs> et puis, tu expliques, expliques tout comme ça. Et tu finis par, voilà les prochaines étapes. Et là où, où en fait, tu t'aperçois que ça marche de faire ça, c'est à la fin. Bon, déjà, tu regardes les gens. Il n'y a personne qui est sur téléphone. c'est déjà une bonne chose. Et surtout, à la fin, c'est est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des points à éclaircir Et quand tu entends de tout le monde. Non merci c'est très clair je sais ce qu'il faut qu'on fasse c'est bon <laughs> et en fait ce qui s'est passé c'est quand j'ai fait ça en fait en interne j'ai fini par générer un peu d'intérêt et il y avait des, des ingénieurs des data engineers qui étaient aussi intéressés par le sujet donc euh, j'ai eu l'occasion de monter une guilde à l'interne euh, oui ça s'appelait une guild où en fait on était euh, il y avait quelques analystes il y avait deux quelques data engineers il y avait moi et on a voulu monter cette guilde sur la data visualisation et la storytelling où le but c'était vraiment de mettre en place des guidelines pour l'entreprise euh, mettre un standard de couleur un standard de comment choisir tel, euh, tel chart graphique euh, en fonction des données que tu veux présenter parfois il faut un tableau parfois il faut une ligne, parfois il faut zéro chart, parfois c'est juste un nombre à afficher euh, parce qu'on a vu de, de tout et n'importe quoi hein, quand tu as un espèce de, de Camembert, où tu as genre 15 catégories de produits et tu as mal à la tête de, de faire un bounce-back entre la légende et le truc et tu piges rien et que tu t'endors. Euh, du coup, ça te, ça te motive. Et en fait, en montant cette guilde, on a réussi à euh, refaire en fait des... Ce qu'on voulait faire en fait, c'est avoir beaucoup d'impact rapidement. Donc on s'est dit, bah voilà, il y a le rapport hebdomadaire qui est envoyé à toute l'entreprise. C'est un email avec des tableaux verts, bleus, dégueulasses. Enfin, le machin, ça pique les yeux, même si tu n'as pas de problème au niveau des yeux pour lire les, <laughs> couleurs, les couleurs normalement, ça piquait les yeux déjà. Et on s'est dit, on va refaire ça. On va refaire ça. Alors, surtout que tout le monde s'est utilisé le cœur, là, c'est un vieux truc euh, illisible. Et on a commencé à parler avec les différents VP. J'ai réussi à <laughs> leur bloquer 15 minutes, j'ai dit OK, ça sert à quoi ce truc Qu'est-ce que tu veux voir Enfin, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce tableau quel genre de décision tu veux prendre à partir de ce, de ce rapport Quelle est l'information la plus importante On a qu'à interroger plusieurs personnes comme ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est oh, vous allez continuer de recevoir ça et on leur a fait voilà, on, a, on vous envoie aussi une version alternative qu'on a réussi à mettre tout propre dans Looker. Donc là, c'était super pour la partie brand parce que en interne, ils voulaient que tout le monde utilise Looker, donc on a réussi à faire ça dans, dans, dans Looker. De rien, hein <laughs> voilà. Bah, après, tu as, as, as les limitations de l'outil. Hein. Looker oui. est bien, mais il est, pas, il est loin d'être parfait lorsque tu veux faire des choses proprement euh, d'un point de vue DataViz. Et, euh, et du coup, ouais, les gens étaient vraiment euh, agréablement surpris de voir Ah ouais, maintenant je sais ce qu'il faut faire, je, je trouve l'information tout de suite, euh, j'ai plus besoin de me taper ci, j'ai plus besoin de me taper ça. Tu avais toujours des réfractaires et tout, mais. Quand tu as le C-level et même le fondateur de l'entreprise qui dit ⁇ Ah ouais, c'est bien, c'est clair maintenant ⁇ Ok, merci. <laughs> okay, merci. <laughs> et merci. en fait, c'est marrant de faire ça. C'est marrant de faire ça parce que ça te permet... Euh, bon, déjà, moi, ça me permet peut-être de sortir de ma bulle SEO un peu, de comprendre un peu ce que les autres équipes faisaient. Parce que parfois, ils bossaient sur des trucs, ce n'est pas facile à comprendre. Hein. Ils bossaient sur des... C'était les équipes sales ou les équipes euh, go-to-market. Ils faisaient des dashboards. Donc, et c'est génial parce que quand tu quand tu n'as quand pas la connaissance métier de ce que les gens font et qu'ils te présentent leur truc, donc on, faisait, on avait des espèces de, de points euh, chaque deux semaines, les gens pouvaient venir et, et demander de l'aide ou notre feedback sur, euh, sur un rapport. Bon ben voilà, on a fait ça, etc. Moi je vois un machin, je vois une line chart avec genre 36 line chart dans le, dans le même graphe, je pige rien, mais tu sais, tu, tu restes calme, tu ne vas surtout pas démonter la personne, tu dis ok, moi j'ai une question, qu'est-ce que vous essayez de montrer avec ça ah, ben bah on veut montrer que ça, euh, voilà, le plus important c'est l'évolution de ce truc et ça. Ok, alors pourquoi est-ce que vous montrez tout le reste Ah, ben bah on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui veulent voir. C'est qui les gens qui veulent voir Je te reviens. <laughs> une semaine plus tard, bon, en fait, il n'y a personne qui veut voir ça. Ok, donc j'ai une, une suggestion. Ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on prenait le dashboard. Je dis, écoutez, je, te, je te propose une version euh, alternative de ton dashboard. En fonction de tout ce que tu m'as dit, le storytelling, voilà ce qu'on veut montrer, ça va servir à prendre tel type de décision, c'est ça qui est le plus important. Vrai, vrai... Et du coup, tu apprends un peu le métier des autres, et tu dis, ben bah voilà, moi, en fonction de ce que tu m'as expliqué, c'est comme ça que je montrerai l'information. Parce que tu vois, là, je la comprends, sachant que moi, je ne fais pas ce que tu fais au quotidien, mais je comprends ce que tu veux me montrer. Et je trouvais ça super intéressant. Ah, donc, c'était vraiment fun de faire ça. Euh, je m'étais amusé, d'ailleurs. Si euh, désolé, je vais me faire une mini mini auto promo, mais c'est pas vraiment auto promo. Ah bah si, si, je m'étais amusé à monter un, un, un site là-dessus où je partageais un peu mes expériences, qui s'appelle histoirededata.com. Le site est un peu en pause depuis que depuis que j'ai eu un enfant, mais il faut, il faut que je reprenne un peu l'activité. Mais vous pouvez déjà aller avoir un petit aperçu de ce que je m'amusais à faire. Donc, euh... Si jamais ça vous intéresse. Mais c'est un, un side skill que je trouve vraiment très utile. D'ailleurs, que vous fassiez du SI ou n'importe quoi. Bien montrer les dadas, d'une façon où c'est simple à comprendre. La, la personne, ça doit ça va prendre moins, moins de deux secondes de comprendre ce que vous montrez. Et le storytelling pour vraiment se laisser porter par l'histoire. C'est ça qu'il veut montrer, c'est ça que je dois retenir, c'est ça que je dois faire après. Et c'est euh... pratique. J'ai un bouquin voilà. aussi euh, là-dessus euh, aussi. C'est bon. C'est lequel le celui-là Je ne connais pas celui-là. Euh, le manuel de data visualisation. Okay. Jean-Marie euh, Lagnel. Euh, je crois que c'était euh, Xavier qui me l'avait euh, conseillé. Et euh, c'est vraiment sympa. Il y a, bah, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. En tu fait. as les choix des polices. Ok, sympa. Je ne connais pas celui-là. Et, et euh, le choix des polices, de comment tu peux représenter les choses et tout. Et c'est plutôt sympa aussi. Bon, après, effectivement, avec Looker ou, ou encore plus Looker Studio, on est très vite limité. Mais au moins, effectivement, on peut aussi raconter une histoire pour présenter et que ce soit moins, euh, moins rébarbatif euh, là-dessus. Et simple, simple à comprendre. Donc. Ouais. Et puis moins rébarbatif que des tableaux de chiffres et des graphes qui s'enchaînent où, effectivement, à la fin, tout le monde est sur son téléphone. Euh, tu bah, attends que ce soit ton tour euh, ou, que, ou ta catégorie de produits ou ton pays ou je ne sais pas quoi pour lever le nez quoi. Parce que ça ne t'intéresse <laughs> pas. Non. Parce qu'il y a 80 slides à passer, euh, et que tu, euh, dont les trois quarts redondants, parce que euh, parce que c'est pratiquement les mêmes, que chacun essaye... On repartir sur les modèles d'attribution où chacun essaye de s'attribuer la vente euh, sur son canal. Euh, et que tu t'aperçois qu'il y a un produit qui a été vendu d'après les slides huit fois. <laughs> non, les gars, ça ne marche pas. C'est ah ouais, fun, ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, ouais, ça, c'est euh, un, un grand délire. Ouais. J'ai eu des grandes réunions comme ça, où au bout d'un moment, tu dis, mais euh, attendez, en fait, si j'additionne les chiffres d'affaires annoncés par chaque euh, par chaque canal. On a fait huit fois plus de chiffres que ce qu'on a en, que ce qu a en caissé réellement, quoi. Donc euh, faut reprendre. Là. Il y a un truc, c'est pas possible, quoi. <laughs> Tout le monde ne peut pas s'attribuer la vente. <laughs> yep. Pas possible, les gars. Euh, Est-ce que tu veux revenir sur certains points? Parce que je crois que tu avais un rendez-vous après. Non, c'est bon, je l'ai annulé, mais oui, c'est vrai que l'heure passe vite là. Mais ouais, on a fait les deux heures. Euh... Je l'ai déplacé, mon rendez-vous, c'est pour ça, c'était bon. Euh, Est-ce que je voulais revenir sur un point Je pense qu'on a, a, a pas mal parlé de beaucoup de choses. Hein. Euh, cherche console, KPI, ouais, on a même vu parlé de OKR, blog ouais, analysis, data ouais. viz. Bon, aux US, comment ça se passe, Lucio Je crois que a... tu m'avais posé cette question au début. Au début ouais. euh, bon, Un truc sympa que j'ai, moi, ici, euh, c'est que quand je fais des recherches toutes les semaines sur Google, un jour sur deux, j'ai une interface différente. Quoi. Il, y a toujours des... Il y a toujours des changements. C'est un truc de dingue. Il y a des fils qui apparaissent. L'autre jour, je cherchais un truc, parce que je fais de la photo à côté. Je cherchais un truc pour un appareil photo. Tout à coup, je vois cette nouvelle interface avec des fils qui apparaissent. Je dis Putain, c'est quoi C'est nouveau ça. Je n'avais pas vu ça encore. Il aime bien faire des tests. Ouais. C'est fun. Bah, nous, c'est rigolo parce que du coup, ça leur permet de, en France de faire des prédictions sur ce qui va arriver, alors que un écran sur deux qu'on voit, c'est un AB test dans un coin. Franchement, euh, ça me fait marrer. Moi. Tout le monde fait de la prédiction sur euh, des trucs qui ne sont pas encore euh, figés de l'autre côté. C'est un peu chaud. C'est un peu L'utilisation de l'intelligence artificielle, un peu. La, marrer, la, la... Ça, ça. Ça fait beaucoup de bruit partout pour parfois pas grand chose. C'est encore trop. C Ils sont tous en mode bac à sable, j'ai l'impression. Ça, c'est l'impression que j'ai. Ils testent des choses ici et là. Ah, je pense j'essaie d'en tirer le meilleur usage que je peux. Ah. Enfin, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est avoir un... avoir un interne, un stagiaire à côté de moi en ligne, là, disponible 24 heures sur 24, et... qui peut faire des tâches chiantes et c'est tout. C'est comme ça que je le vois. Ce <laughs> n'est pas quelqu'un qui va qui va rédiger du super contenu ou faire mon travail à ma place, mais euh, mais c'est marrant de voir euh, euh, ce qu'ils font euh, chez Google avec le SGE justement. Je trouve... La façon je trouve dont ça a été fait, ça a été vraiment lâché un peu euh, comme un gros une grosse pierre dans la mare là. Voilà les résultats SGE. T'es merdé on vous jette des trucs Bah euh... ça. <laughs> du coup euh, tu lis tu lis à gauche à droite. Ah, c'est le futur, ça va être comme ça. Je dis putain, j'espère qu'ils vont pas laisser ça comme ça dans l'interface parce que c'est vraiment bordelique, c'est pas user friendly. C'est juste un test qu'ils font. Euh, mais euh, c'est ce dont on parlait euh, la dernière fois. Il le, le, y, y a Wired là, qui a donné une interview à Sundar Pichai sur, euh, sur Google, justement, qu'ils veulent aller avec Google. Euh, c'est intéressant cet article. Il n'est pas très long. Mais tu, si tu le lis plusieurs fois et tu lis bien entre les mots, tu vois qu'ils veulent... J'ai l'impression qu'ils vont vouloir prendre toutes les bricks search qu'ils ont construites jusqu'à présent concocter un truc qui va te permettre d'avoir une alternative supplémentaire à la recherche actuelle qu'on a, mais je sais pas quand ça va arriver, comment ça va être implémenté, je sais. Moi je prédis rien, moi je continue de faire mon taf et puis j'essaie de faire du bon travail. est ce que les gens ils veulent. puis ça changera et puis aujourd'hui c'est ça, demain ça sera encore autre chose. Il y a aussi tout ce qu'on disait aussi tous les réseaux qui arrivent. Avec les jeunes qui ont plus tendance à chercher sur TikTok. Ah, pause lumière ouais. <laughs> C'est la pause lumière Avec les jeunes voilà, qui ont plus tendance à chercher euh, sur TikTok. Euh... Et après, bon, moi, j'ai discuté avec des jeunes et c ça dépend vraiment de ce qu'ils cherchent quand même. Donc, je pense un peu comme nous. Euh... Euh, si tu as envie de voir euh, une, une recette vite fait en trois minutes, enfin, qui va durer euh, une minute, tu vas chercher sur TikTok. Et si tu cherches un truc un peu précis euh, sur, euh, je sais pas moi, les, euh, la, les la température, l'évolution de la température en France ces dix dernières années, tu ne cherches pas sur TikTok, quoi. <laughs> parce que euh, parce que t'as pas de résultats, euh, euh, t'as pas d'infos euh, suffisamment euh, quali là-dessus, déjà dans Google, on pas tant que ça, mais encore moins là dans ce genre de trucs. Donc je pense que moi, tout ça, ça évolue. Et après, c'est un peu le propre de notre métier, quoi. Depuis... Euh, enfin, on a commencé... Euh, moi, j'ai commencé, il y avait pas... Google n'était pas à 95%. Euh, il y avait d'autres moteurs qui ont disparu, qui ont, euh, des, des nouveautés, des choses qui arrivent, qui repartent, euh, quand ils ont mis... Euh, Enfin, euh, quand ils avaient mis euh, euh, le « not provide » dans Google Analytics, tout le monde annonçait la mort du SEO, que c'était impossible, que jamais on allait pouvoir travailler sans. Bon, finalement, maintenant, on y arrive, en fait. Donc, ça, ça n'a euh... pas gêné plus que ça, quand ça arrive. Tant qu'il y avait la search console, tu as, as quand même tes données quelque part. Ouais, j'avais... Euh, je, je, je à l'époque, ça avait été un peu compliqué parce que euh, j'étais dans une boîte où ils ne voulaient pas entendre parler de la Google Search Console. Euh, et j'avais pas non plus euh, Google Analytics, mais parce qu'ils oui, ne voulaient pas euh, donner des informations à Google. OK. Bon, d'accord, pourquoi pas. Voilà, donc du coup, euh, dans l'outil, on avait... Euh, euh, c'était quoi euh, x euh, truc analytique <ım Laserlevé> là euh, athée euh, et, et du coup voilà ils voulaient pas euh, du coup forcément les mots clés remontaient plus là dedans mais j'avais pas la search console en face pour euh, voilà bon après je me doutais quand ils étaient arrivés sur une page euh, euh, produit plus ville euh, que a priori ils avaient pas cherché tarte à la banane quoi et, et, je dis, bon, je, je, voilà, J'avais moins de, moins de précision, mais bon, pas, euh, je, je, je me doutais bien que euh, s'ils atterrissaient sur cette page-là, c'est qu'a priori, dans l'intention de recherche, on était à peu près dans les clous. Quoi. Donc c'était un peu obscur, mais, euh, mais bon, ça restait travaillable quand même. Quoi. Mais... Ouais, non, mais c'est. On va voir, on va voir vers où on va aller. Après, c'est sûr, TikTok, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est. les, les... Ça va dépendre de l'industrie aussi. Est-ce que les gens cherchent beaucoup là-dessus? Après, j je dirais peut-être pas que c'est juste les jeunes qui sont là-dessus. Je pense vraiment qu'il y a des gens de tout âge maintenant, dépendant de, du besoin. Ça a plus pris avec la, une, la nouvelle génération, mais je ne limiterai pas à TikTok, on va dire, je aux, aux jeunes que, jeunes. Je pense que les, les, les jeunes et les moins jeunes, on n'a pas la même utilisation. On n'a pas le même. Comportement. Ah oui, ça, c'est possible. Je pense que les. les... Enfin, moi je, suis, je, je me balade pas mal sur TikTok avec un fil, tu vois, très perso, tu vois, avec euh, des chatons, des chevaux, euh, voilà, des trucs, euh, des trucs mimiques. Et euh, et du coup, je m'en sers pas pour chercher parce que je pense que je l'ai pas associé non plus, moi, à un moteur de recherche. Et que j'ai. Euh, sauf à, voilà, à dire, tiens, je vais chercher un truc. Euh, genre recette euh, air fryer et là je vous dis ouais euh, au lieu de me taper des contenus euh, pété de pub montés pour discover euh, avec de la trade discutable euh, au milieu de euh, 8 tonnes de pub oui peut-être qu'effectivement la vidéo qui fait euh, 40 secondes pour m'expliquer que euh, je peux mettre ma pomme de terre dans le air fryer et ça me fera une petite pomme au four ouais ça va en fait ça suffit quoi donc euh, donc voir, je pense que c'est le, le je pense que nous pour un... enfin moi j'ai l'impression d'être pour l'instant très passive dessus et très juste consommer du contenu mais pas forcément être en... en très active avec en fait à chercher à... Voilà. c'est plus un truc que je fais depuis assez peu de temps à effectivement à chercher à, à chercher à rester dans TikTok pour chercher Souvent, quand il y avait un truc, j'ai pas mal de trucs d'anglais aussi, et notamment quand c'est des mots d'argot, euh, où je ne comprends pas, je sais pas ce que c'est, mais en fait, mon réflexe c'était de sortir de TikTok et d'aller dans Google pour aller chercher la traduction. Euh, et et d'avoir ou la trad directe de Google, ou d'aller sur des sites qui sont un peu plus spécialisés sur l'argot, et, euh, et uh -huh. donc, du coup, d'avoir la, la signification. Mais à chaque fois, je sortais de TikTok. Et là, je me suis du coup euh, bon à force d'entendre dire ouais mais c'est un nouveau moteur de recherche, etc. J'essaie de rester dans TikTok pour chercher, mais bon, je, souvent je termine dans Google. Je pense que j'ai aussi plus l'habitude de chercher euh, dans Google et que je suis plus efficace. Et alors, pour peu que j'ai l'ordi à côté, euh, voilà, c'est bon en fait. Je pose le, tab, je vais sur l'ordi et je vais huit fois plus vite quoi. Donc, non bah c'est les habitudes après. Après c'est, je, je me demande juste comment ça va évoluer tout ça. Parce que là Google. C'est le... ça que, comme on disait, c'est une régie publicitaire. Il y a de la pub partout. Il y a des liens organiques, mais il y a déjà un trop-plein. Ils vont devoir travailler un peu sur euh, comment ils vont pouvoir trouver une alternative pour donner du contenu pertinent. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup du contenu maintenant. On n'est plus en 2003, 2004. Quoi. Ouais, il y a pas en mal 2003, de choses. C'était cool, on n'était pas tant que ça. C'était un peu moins plein. C'était sur Google. Quoi. Voilà. Là, maintenant. Ouais. Je pense que la quantité de, de, de contenu indexé, de nouveaux contenus indexés par jour, eh, donc on n'arrive même pas à se rendre compte euh, des volumes euh, qu'il y a en fait. Euh, parce qu'on a tendance à ouais. voir Google euh, par notre petits bout euh, de la lorgnette à nous, mais, euh, mais c'est euh, mondial. Voilà, y a... Et puis si là-dessus tu rajoutes euh, bah, tout ce qui appartient à Google de près ou de loin, euh, il y, y a quand même de quoi faire. Quoi. Voilà. Moi, j'aimais bien la, di la direction qu'ils prenaient sur dans, de, de coller de l'IA euh, plus, en, plus en tant qu'assistant personnel, en fait. Et, et euh, probablement beaucoup plus intrusif que ce qu'ils sont en train de faire là maintenant. En tout ouais, cas, euh, côté, ouais. euh, côté actionnaire, on va dire. Euh, ça semble plus là ils ont jeté un truc pour répondre à, pour répondre à Bing euh, enfin à Microsoft et à, et à OpenAI mais aujourd'hui enfin moi j'aimais bien la direction qu'ils prenaient avec il euh, y a beaucoup d'IA donc plein de choses euh, de façon beaucoup plus euh, discrète et beaucoup plus réfléchie en fait et que je trouvais euh, beaucoup plus utile que euh, ce qu'ils sont en train de nous pondre euh, pour avoir un truc qui répond une fois sur deux à côté quand. Mais bon, ce n'est que, ah oui, que mon opinion. Ah non, bah ça a été rushé, de hein, toute façon. ils, sont, ils sont, Ça rush, là, pour euh, concurrencer les uns et les autres. oui On va voir. On va voir ce qu'ils vont faire. Ouais. Bon, Est-ce que tu veux nous dire un dernier petit mot pour la fond euh... Pas grand chose d'autre. Je veux dire, merci de m'avoir invité. J'espère que j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été inspirant pour ça pour les gens qui se sont passés sur le chat. Euh, C'était bien sympathique de pouvoir partager cette expérience. Quoi dire d'autre euh, Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Arnaud hein, Mangassarian. Et euh, si jamais vous vous aimez les jeux vidéo sur PC, je, je stream quasiment chaque dimanche <laughs> des RPG assez complexes sur sur Twitch. Voilà. Mais cool, mais un... tu, nous donneras, tu nous donneras ta, ta chaîne. Ouais, euh, ouais, je t'enverrai ouais, met ça. Mettra, on fera un petit tweet et un petit, un petit post sur LinkedIn avec euh, ton site, Histoire de Data, euh, Storytelling with Data, le, et les livres qu'on a proposés. Voilà, on fera un petit récap. Ouais. Si, J'enverrai euh, les livres. Euh, ouais. Ça marche. Ouais les livres, articles dont on a parlé, et puis... Euh, euh, J'essaierai de reprendre les liens que je vous ai collés dans les, dans les slides pour, euh... Pour, euh... pour ceux qui n'ont pas copié le lien en même temps, mais qui ont la flemme de le recopier, ce que je peux comprendre. Juste euh... un truc très oui. important. Oui. Si euh, vous essayez de venir visiter Boston, venez au printemps ou au début de l'été, mais ne venez pas au milieu de l'été. C'est trop chaud <laughs> beaucoup trop chaud. Trop chouette, mais non, l'été, je ne plaisante pas, hein, à partir de juillet, c'est genre 40-43 degrés, taux d'humidité de 70%. Mais c'est très sympa à visiter comme Bill Weston. Donc plutôt oui. au printemps. Voilà, printemps, septembre, c'est bien. Septembre, octobre. Printemps, octobre. Ouais, non, là, non, je... je Là, je vais aller au Mexique, là, déjà. Voilà, faire... Un peu plus au sud. Un peu plus au sud, voilà. Faire euh, plage et... Euh... Que je ne pense pas que je, je serai encore en état de courir, et euh, de faire le cabri euh, dans quelques jours, mais, euh, mais je pense que je pourrais me traîner jusqu'à un transat. Ça, ça doit être envisagé. Ah, ça va, alors c'est déjà pas mal. <laughs> J'ai le, le minimum pour aller passer des vacances. Euh, la semaine prochaine, Laura recevra François Tréca. Euh. Où ils vous nous parler de euh, GEO, SIO, comment entrer dans des IA conversationnelles. Donc, ça va être bien intéressant aussi, je pense. Donc, euh, restez, euh, restez branchés. À la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu sur les vidéos YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de, vous, de liker, de partager. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde.